Et je crois qu'on s'était arrêté le soir au moment où vous alliez tous vous coucher à la... Il était dimanche, afin je de... pense. Ou lundi, Pas je sais pourquoi plus. t'avais parlé de Malcolm Quarry. Ouais, moi j'avais eu des C'est peut-être informations. Henri Apparemment, il avait serait trouvé parti ça. en Hein. Inde Ouais. en Ouais, c'est 1926. ça, c'est ça, ouais. J'avais eu des renseignements sur Malcolm Quarry par Barrington qui m'a dit qu'il était marié, une adresse de résidence à West Village de Ghostwood, marié à Hilary Quarry, région de la Severn. Il a fait une demande de passeport en 26, il est plus en Angleterre, il se trouve en Inde depuis fin 26 en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? Ouais, on voulait. Bah, déjà, il va falloir qu'on discute effectivement de savoir de ce qu'on va faire. Mais. On a Je crois, plusieurs. ouais. Enfin, je sais pas, on a plusieurs trucs à faire. Hein. On a plusieurs possibilités. Hein. Vous Je crois voulez que je vous qu'on. les énumère ou pas? Pour qu'on voie un peu Ouais, si on a les mêmes il y choses. avait l'antiquaire. Alors, il y Bah, avait l'antiquaire. comment l'approcher? La surveillance et puis essayer de visiter son et essayer de rentrer à l'intérieur de sa brocante là de son magasin. Après, on peut retourner voir notre ami tenancier, hein. Après, le truc aussi, c'est qu'on a dit que maintenant, à partir de maintenant, on faisait tout à quatre. Donc, on se sépare plus, on avait dit. C'est dangereux de se Donc, séparer, quoi. du coup, il faut qu'on passe. Je peux Ouais. faire pipi toute seule quand même. Ah, Du mais je coup, il te faut qu'on tiendrai la se mette porte. d'accord sur où on va aller, quoi. Parce qu'on y va tous les quatre. Bah, c'est mieux. Enfin, après, c'est juste mon ressentiment, mais vous avez vu ce qui s'est passé. On se fait suivre. Il y a des ptérodactyles qui arrivent. Alors bon, c'est sûr, ils viendront pas à Londres. Hein, faut pas. Mais c'est sûr que c'est dangereux de se promener seul ou même à deux, quoi. À quatre, ils ont plus de. Si jamais ils veulent intervenir, ils ont plus de difficultés, quoi. Donc on a effectivement, on va dire faire une surveillance de Bacon. Et puis, ce que moi j'avais noté, c'était aussi de se renseigner sur les écrits des pierres noires qu'on avait trouvées. On s'est pas renseigné dessus, il me semble. Il y avait les photos aussi. Oui, des Ouais. photos à faire développer, oui. Les photos à faire développer. Voir comment on s'organise pour repérer nos ennemis. Faire une petite descente à l'intérieur de sa boutique. Enfin voilà. Moi, je veux aussi revoir. Je sais pas si je l'ai déjà fait aujourd'hui. Je sais, je l'ai fait la veille. Je t'ai fait des sutures. Je sais pas si j'ai déjà fait de. Je tiens vraiment à regarder tes plaies de près puisque c'est une créature de conte de fées, si on peut dire, qui t'a blessé. Donc. C'est vrai que j'ai une large balafre au niveau du torse. Bah ça Voudrais t'as pas eu qu'il y ait des traces d'infection. ça t'as eu l'occasion de le faire avant que vous couchiez avant que vous couchiez. Oui, mais pour dire, ma Anne, elle va vérifier tous les jours, deux fois par jour, le matin et le soir, elle va vérifier les plaies d'Henri pendant les jours à venir jusqu'à ce qu'elle soit sûre que ça guérit bien. D'accord. Et vous aviez pris aussi deux chambres d'hôtel avec une porte communicante. Anne et Emma dans une chambre, Sanford et Henri dans l'autre. Où vous êtes couché le soir un peu exténué par tout ce qui vous est arrivé de surprenant. Et Sanford, toi, comme régulièrement, t'as toujours le sommeil un peu agité. Et cette nuit, t'as eu un peu de mal à t'endormir. Alors même si je me souviens que vous avez quand même descendu pas mal de verres d'alcool pour vous remettre de vos émotions, mais ça n'empêche que ton sommeil est pas très est vraiment assuré. Tu dors par à-coups. Et à un moment donné, alors, tu sais pas ce qui te réveille, en fait en milieu de nuit. Mais il y a une odeur assez nauséabonde qui flotte
qui flotte dans la pièce, dans la chambre. Et une odeur que j'ai déjà ressentie auparavant lors de mes réveils. Oui. Oui, c'est ce même type d'odeur, comme s'il y avait une charogne, comme s'il y avait un animal crevé dans la pièce. Et ça flotte comme ça. Il y a un son, un bruit, je sais pas, d'animal. Non. En plus, bon, il fait assez sombre. Là, t'es dans l'obscurité et tu distingues. T'arrives pas à sentir si, ni à entendre de bruit. Ah, quoique aussi, il y a peut-être un bruit, une espèce de frottement. Mais lorsque tu t'en rends compte, ça a l'air de provenir de la porte communicante avec la chambre d'à côté. Une espèce de frottement comme du tissu qui se froisse. Là où sont Emma et Anne. Ouais, la porte qui communique avec leur chambre. Bon, je prends mon flingue. J'allume pas la lumière, hein, surtout. Et j'essaye d'ouvrir, de regarder déjà à travers la serrure. Alors, t'es dans ton lit, t'as récupéré ton pistolet et tout ça, tu te redresses. Et alors que t'es juste assis dans ton lit, tu distingues vaguement d'où provient exactement ce bruit de tissu qui frotte. Il y a une espèce de silhouette, mais immense. Elle touche le plafond quasiment. Une silhouette qui est vaguement humanoïde dans la pièce. Tout ce que tu distingues, en fait, c'est juste une forme sombre. Tu vois deux longs bras de chaque côté, des bras maigres. Tu distingues à peine, est-ce que c'est vraiment des doigts, est-ce que c'est des griffes, t'en sais rien. Mais deux, comme deux mains, mais avec des doigts qui doivent faire au moins 20 cm chacun, tu vois. Et une créature donc, humanoïde filiforme. Vraiment filiforme. Et tu te rends compte, en fait, du bruit que tu entendais de ce tissu. C'est des pans de tissu qui pendent de ses épaules, de son autour de ses bras. Et en fait, c'est comme si le tissu bougeait à cause d'un vent qui ne souffle pas dans la pièce. Et c'est ça, c'est ce tissu-là qui des morceaux de tissu qui frottent contre le mur, contre le sol. Et c'est ce tissu-là qui fait ce léger bruit. Et surtout, c'est à chaque fois qu'il y a un morceau de tissu qui bouge, c'est là qu'il y a une espèce de relan, c'est comme si ça envoyait un relan d'odeur nauséabonde. Déjà, j'essaye de pas basculer à la panique, même si je le suis extrêmement. Bon, du coup, apprenant ça, finalement, je prends pas le flingue, mais je prends plutôt un couteau. Ok, ta main se referme sur la poignée du couteau. Toujours cette silhouette, juste. En fait, elle est juste devant la porte qui mène à la chambre des femmes. Et tu commences à entendre comme une espèce de respiration assez profonde qui vient de cette silhouette. Et à un moment, une voix te dit, annonce mon arrivée. Et tu vois juste ça, une espèce de voix assez caverneuse. Et en une fraction de seconde, tu vois la silhouette qui recule, mais alors qui recule vers la porte, tu te rends compte que la porte qui mène vers la chambre des filles est ouverte. Et la silhouette recule dans la chambre, se penche en avant pour pouvoir passer, puisque comme j'avais dit, la silhouette mesurait pas loin de 2,50 m, la tête touchait quasiment le plafond. Et surtout, c'est que quand la silhouette recule, tu vois, c'est avec des mouvements un peu saccadés, se penche et passe la porte à reculons. Et juste avant que la porte se referme, la voix de nouveau te dit « Aide-moi, annonce mon arrivée, deviens mon héros. »
Et tu vois que la porte se ferme tout doucement avec un léger craquement, léger grincement, jusqu'à se fermer entièrement. Il y a toujours cette odeur de pourriture qui flotte dans la pièce. Et là, donc, il est parti dans la pièce. Dans la chambre des filles. Tu me fais un test de santé mentale aussi? Ouais, et puis là, je vais envie de, enfin, je comptais lui sauter dessus de toute façon pour le tuer. Alors, il y a Henri qui est dans son lit à côté, qui a pas bougé d'un poil. Alors, tout ça, ça s'est passé, ça a duré peut-être 10-15 secondes, hein, en tout cas, ça a été assez rapide. Oula, et eh ben, ça va être beau ça. Oui, c'est ce que je pensais, hein, je suis complètement. Voilà. Bon, bah, déjà, j'arrive même pas à faire. Plus tétanisé, quoi. Tu perds. Ah, bah, tu vas perdre. Tu perds 6 points de santé mentale. Là, ça pique. Ouais. 6 points de santé mentale. Du coup, tu vas te retrouver avec une espèce de, avec une folie temporaire. Bah, dis-moi ce que tu, qu'est-ce que tu verrais bien comme comme crise de folie. Comment une peur du noir, je pense. Donc ça, le truc, c'est la crise va durer un petit moment, donc du coup, en gros, c'est une espèce de peur panique du noir. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est tu rallumes la lumière, t'es Ah oui, tout de suite, oui. J'essaye de retrouver mes repères parce que là, j'ai l'impression que je sais même pas si je suis dans un rêve et j'essaye de me convaincre que c'est qu'un cauchemar et j'essaye de me réveiller. Quand tu allumes la lumière, tu te rends compte que non, tu ne dormais pas. Tu ne dormais pas. C'était pas un rêve. Tu dormais pas, t'étais bien réveillé. Et là, le truc, c'est que tu commences un peu à, t'as du mal à respirer. Tu commences à surventiler un peu. Tu sues à grosses gouttes. Tu commences à faire une crise d'épilepsie. Tu trembles de partout et ok. Et je suppose que tu gémis aussi, ce qui va finir par réveiller Henri. Mais avant que Henri se réveille, dans la chambre de Dan et Emma. Emma, toi, en plein milieu de la nuit, tu te réveilles comme ça. Ça t'arrive peut-être hein, depuis quelques temps, avec tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant et ce que vous avez vu dans la journée. En tout cas, à un moment donné, tu te réveilles et toi aussi, tu sens cette espèce d'odeur de pourriture qui flotte dans la pièce. La pièce est dans le noir. Dans un lit à côté de toi, Anne est endormie. Et surtout, tu vois que la porte menant vers la chambre de Sanford et Henry, la porte est légèrement entrouverte. Du coup, si je vois que la porte est légèrement entrouverte, ben je me lève et je vais vers la porte. Tu te lèves, tu viens de poser tes deux pieds sur le sol. Quelque chose frotte, effleure tes pieds. Quelque chose de long. Au pied du lit. Ouais, quelque chose de long effleure tes pieds. Bah, je baisse les yeux pour regarder mes pieds autour. Alors, dans l'obscurité, dans la pénombre, tu distingues, il y a un truc par terre. Alors, c'est complètement absurde, mais il y a une espèce de truc assez long qui ondule au sol. Ça aurait pu faire penser à un serpent, mais c'est. Sauf que tout au bout de ce truc-là, tu vois que c'est rattaché, et en plus tu te rends compte que c'est pas la seule chose qui bouge dans la pièce, puisqu'il y a une espèce de frottement de tissu, et tu vois assis dans un fauteuil, de l'autre côté de la pièce, tu vois une silhouette qui est assise dans le fauteuil et qui tient tes carnets de notes dans les mains. Avec des mains immenses, des doigts beaucoup trop longs,
la silhouette, malgré qu'elle est assise dans le fauteuil, sa tête doit dépasser la tienne alors que toi tu es debout. Et il y a une espèce de légère respiration, et à un moment donné il y a une espèce aussi de petit ricanement qui provient de cette silhouette là. Et puis alors que tu n'arrives pas à distinguer ni trait de visage ni beaucoup plus de détails, si ce n'est qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs qui bougent, comme des morceaux de tissu qui bougent, emportés par un vent qui ne souffle pas dans la pièce. La chose referme ton livre, ton carnet de notes, d'un coup sec, en claquant, et tu le vois que d'une de sa grande main et de ses longs doigts repose le carnet sur la commode à côté. Tu n'arrives pas à voir ses yeux, mais tu sens que si la chose a des yeux, elle te regarde droit dans les tiens, ou en tout cas te dévisage. Et il y a un de ses doigts, son index, alors que sa main est posée sur ton carnet de notes, son index tapote 2-3 fois. Et la silhouette te dit, bon travail, continue comme ça. Avant de s'affaisser complètement sur elle-même, dans une espèce, il y a un petit coup de vent dans la pièce, une bouffée de pourriture qui s'abat dans toute la pièce, et t'as l'impression que tous les tissus qui recouvraient, qui habillaient cette silhouette, c'est comme si tout était tiré vers la porte qui mène vers la chambre de Sanford et Henry. Et en une fraction de seconde, tout a disparu, tout a été comme aspiré, et la porte se referme tout doucement, en émettant un tout petit grincement jusqu'à se fermer entièrement. Et là, tu vas pouvoir me faire un test de santé mentale. Et ouais. J'aimerais te demander sur quel ton elle m'a dit ce qu'elle m'a dit. Elle me l'a dit d'un ton autoritaire, d'un ton normal. Elle t'a dit ça sur d'un ton satisfait, je sais pas. Ben, comme un adulte qui est fier et qui félicite son enfant de son bon travail à l'école. D'accord, ok. Ah bah voilà, c'est bien ça. Très bien. Alors, toi tu vas ne perdre que 2 points de santé mentale. Et à ce moment-là, tu entends de l'agitation dans la chambre d'à côté, la lumière qui s'allume. Et t'entends des gémissements et il y a quelque chose qui va pas de l'autre côté. Dans la chambre de... Là, tu m'as dit tout a disparu. Tout a disparu en quelques secondes. Mais mes notes et tout, elles sont toujours là. Ah oui, ton carnet de notes, il n'a pas bougé. Exactement là où la chose l'a reposé. Ton carnet. Et il y a aussi cette petite odeur de pourriture qui flotte encore un peu dans la pièce. Ok, bah du coup je fais ce que j'avais ma première idée, c'est-à-dire je me dirige vers la porte, je vais voir de l'autre côté quoi. Bah de l'autre côté tu trouves Sanford en état de panique dans son lit. Il a allumé la lumière, mais il est complètement paniqué, il est pris de, tu le vois sur son lit, pris de soubresauts, de tremblements assez forts et qui ont l'air quasiment incontrôlables. Et je pense qu'il y a peut-être que cette agitation-là réveille aussi Anne et Henri. Je donne un coup dans la lampe à mon chevet et puis... T'es coutumier de ça ? T'es coutumier d'avoir des crises d'épilepsie et tout ? Parce que comme je suis ta sœur... C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça t'arrive, donc du coup, je sais pas comment dire. Ouais. Du coup, je me précipite derrière toi... J'essaye de te rallonger sur le lit, c'est de te calmer, de te parler, tu dis Sanford, c'est moi, c'est Emma. Calme-toi, allonge-toi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois que je suis en train de baver là. Qu'est-ce qui se passe? En même temps, j'essaye de réveiller Henry, ouais. je crie pour que Anne se réveille aussi, je réveille tout le monde quoi.
Ah, moi, je me réveille, je me frotte les yeux, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu te réveilles comme ça, tu vois, t'as quand même une vision un peu étrange. T'as quand même Emma qui est à moitié au-dessus de son frère, en train avec les mains posées sur lui, et Sanford qui a l'air d'être contracté, peut-être en train de souffrir. Et s'il a toujours le couteau dans les mains, je lui enlève le couteau, bien sûr. S'il résiste pas, je lui prends le couteau des mains. Oui, c'est vrai qu'il avait le couteau à la main. Oui, il le sert toujours. Il a J'essaie de lui enlever le couteau. les phalanges blanchies tellement qu'il serre le poing autour de la poignée du couteau. Ah, moi, quand je vois ça, je me précipite sur la main de Sanford pour éviter tout geste malheureux, quoi. Et j'essaye de lui faire lâcher prise, quoi. D'accord. Anne, de ton côté, toi, t'as été réveillée par les cris d'Emma qui t'a. Emma, et puis tout le chambardement qu'il y a dans la pièce d'à côté. Et il est dans un état de transe, Sanford, où il a les yeux ouverts, il est convulsé. Il a les yeux à moitié révulsés et il a de la bave qui coule. Oh, d'accord, ok, super. On va lui mettre une grande claque, hein. Anne, tu fais quoi, toi? Ah, je sais pas si Anne nous entend. Elle a coupé son micro, alors elle risque pas de. Ouais. Si j'avais pendu mon prénom au début de la phrase, c'est pour ça que je savais pas à qui ça s'adressait. Ben, j'essaye de me réveiller, mais je suis fatiguée. J'ai pas tellement envie de sortir de ma torpeur, en fait. Alors, Passe quoi? vu ce que tu entends dans la pièce d'à côté, ça va vite, ça t'entends qu'il se passe quelque Non, chose. sinon, au pire, si je vois qu'elle vient pas de suite, je vais la voir. Vu que mon Henri est réveillé, je vais la voir. Ouais, puis moi j'essaie de maîtriser Sandford, quoi. Ouais, voilà, moi je vais la voir. Anne, j'ai dit, je sais pas, il y a Sanford, il fait une crise là, je sais pas ce que c'est. Toi, peut-être que tu sauras, il faut que tu viennes, Anne, vite. Bon, je me lève et je me Ouais, précipite dans la chambre à côté. Et moi je le secoue. Je lui mets une claque si jamais j'ai besoin de. Tu vois, C'est si vraiment je vois que j'y arrive pas, quoi. pas déjà fait, j'allume la lumière. Qui l'avait allumé déjà? Allez, Sanford, Ouais. réveille-toi, réveille-toi! Allumé, Wow! ok. Henri, t'as réussi à lui arracher le couteau qu'il avait dans la main, mais t'as vraiment été obligé de forcer comme un bœuf D'accord, bah pour lui écarter les doigts de la main. je le mets sur la table de chevet et puis j'essaye de, tu sais, de secouer par les épaules, tu sais, et puis le faire réagir, quoi, en lui parlant, quoi. Mais réveille-toi, Sanford, réveille-toi! Pour toi, Anne, quand tu vois ce qui se passe, il est clairement en Oui. train de faire une espèce de crise d'épilepsie. C'est Ah. toutes les c'est tout, tous les symptômes de la crise d'épilepsie. T'as aucun doute là-dessus. Eh ben, écoute, je fais ce que j'ai appris, hein, dans mes cours de médecine, et puis ce que j'ai peut-être déjà eu à faire si j'ai vu d'autres épileptiques. Je crois que ça consiste principalement à faire en sorte qu'ils ne se blessent pas. Ouais, souvent c'est on leur met un truc dans la bouche pour bloquer la langue, pour éviter qu'ils avalent leur langue et qu'ils s'étouffent avec Ouais, aussi. je crois que c'est une légende, ça. Bah écoute, moi j'ai y a pas si, hors jeu, il y a pas si longtemps que ça, on a été témoin de quelqu'un qui a fait crise d'épilepsie et qui a fait en sorte de lui mettre un truc dans la bouche pour lui coincer la langue. Alors Ok. voilà, Bon, en tout je cas, sais Anne, pas. elle fait ce qui. Oui, t'as. Peu importe, hein, la réalité, Anne fait ce qu'elle a appris à faire et ce qu'elle doit faire. Mais surtout pas Pour. mettre les doigts dans la bouche. Surtout pas. Ok, bah écoutez, il faut quelques minutes. Et voilà, elle essaye de faire ça avec plus grande douceur pour pas traumatiser Sanford. Il lui faut quelques minutes avant qu'il reprenne, que Sanford arrête sa crise. Sanford est complètement épuisé. Vraiment complètement épuisé. Toi, Anne, tu sais pertinemment que dans ce genre de cas-là,
la personne qui a été victime d'une crise comme ça, il faut, ça peut aller d'une heure ou deux de repos à une journée entière pour se remettre de la crise. Ouais. Est-ce que c'est opportun de... Parce que la situation est un peu compliquée là, est-ce que c'est opportun de lui injecter un tranquillisant pour qu'il passe une fin de nuit correcte ? Oh bah oui, éventuellement. Éventuellement, oui. Bah je vais faire ça pour bien rassurer tout le monde, y compris Sanford. D'accord, Bien sûr, Sanford n'a pas d'objection. Tu retournes dans la pièce chercher ce qu'il faut et c'est là que tu te rends compte, et Henri aussi, c'est vu que la situation vient de se calmer, c'est là que vous vous rendez compte de la mauvaise odeur qui flotte dans la pièce. Vous l'aviez pas remarqué avant parce que avec la situation un peu tendue qui se passait avec la crise de Sanford, mais là maintenant, c'est là maintenant que vous vous rendez compte que ouais, il y a cette espèce d'odeur de chair pourrie qui flotte autant dans une chambre que dans l'autre. On trouve la source de la pourriture ou pas ? Non, toi en cherchant, tu t'as pas. Ouais, je regarde sous le lit, je regarde sous les fauteuils, je regarde d'où ça peut provenir en fait quoi. Ouais. Tu regardes un peu partout et il y a un endroit d'où ça a l'air de provenir. Ok. Juste devant la porte qui mène à la chambre de Anne et Emma, t'as l'impression qu'il y a deux empreintes de pied. Et ça a l'air de... Alors c'est très très léger, mais ça a l'air d'être de là que... Peut-être de là que provient l'odeur. Et ce qui te noue un peu la gorge, c'est quand tu vois la taille des pieds. C'est petit. C'est énorme. Ok. C'est énorme. Si tu devais comparer à ta pointure de chaussure, par exemple, je sais pas combien. Henri, il fait du combien ? Il fait du 43, 44, un truc comme ça. Du 47 fillettes. Et là, c'est... si on devait qualifier la taille de pied, tu dirais que c'est du 50, 60. Putain, mais c'est Bozo le clown qui est venu, quoi. Ah, c'est énorme. Et tu distingues quelques... Tu penses que la personne qui s'est tenue là devait se tenir là sans les pieds nus. Puisqu'il y a des. D'accord. Et l'odeur vient de cette trace en fait. D'accord. Ouais. Okay. Ouais. Bah, la première chose que je vais faire, c'est que je vais contrôler fenêtre, porte pour voir s'il y a quelqu'un qui a tenté une effraction, soit par la fenêtre, soit par la porte. D'accord, tu fais tout le tour de la pièce. Je sécurise l'endroit pour voir si... Je regarde par la fenêtre si je vois pas quelqu'un qui est très grand, qui est dehors. Je regarde dans le couloir de notre étage, en vérifiant la porte, si elle a été fermée, si elle a été ouverte, etc. Quoi. Je sécurise l'endroit. D'accord. Pendant ce temps-là, Anne et Emma, vous voyez quand même un peu le manège d'Henri qui fouille un peu partout dans la pièce, qui regarde, qui va même jusqu'à ouvrir la porte du couloir, jeter un œil par la fenêtre. C'est surtout pour Anne parce que Emma, toi, tu as été témoin de quelque chose, mais Anne, pour l'instant, mis à part, vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'avez parler de ce que vous avez vu. Donc, pour l'instant, Anne, tu vois juste Henri qui est en train de est en train de s'activer à chercher partout. En même temps, quand j'ai senti que ça sentait mauvais, moi, je l'ai signalé à voix haute parce que pour moi, la priorité absolue, c'est de m'occuper de Sanford. Ouais. Et j'aimerais bien savoir, Emma, ta réaction, parce que là, la crise de Sanford vient de se calmer.
Anne est partie chercher l'aider à dormir. Henri est en train de fouiller un peu partout. Mais toi, tu fais quoi? Ben moi, en fait, quand je vois Henri fouiller partout, je lui dis en fait, Henri, ce n'est pas la peine que tu cherches. Le mien a disparu. Le quoi? Je lui dis ça. Le mien a disparu. Le tien a disparu? Ben oui. Je comprends pas. Ben en fait, je me suis réveillé. Et assis sur le fauteuil à côté de nos lits, à moi et Anne, il y avait quelqu'un assis qui tenait toutes mes notes. Hein. Et à un moment donné, il m'a dit « Bon travail, continue comme ça. » Et puis pouf, il a disparu. D'accord. Oh là là, ça ressemble un peu... Ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu chez Sanford. Parce que comme moi, je me rappelle que Anne m'a hypnotisé. Et on est d'accord, Taraka, c'est un peu la même forme que j'ai vue, là. Non, c'était un peu différent, là. C'était un peu différent ? Ouais, mais ça ressemblait vachement, quand même. C'était beaucoup plus grand. D'accord. Et à Sanford, toi, t'es épuisé. T'es épuisé, t'es pas bien, t'es nauséeux. Mais tu es conscient, t'as pas perdu connaissance, tu es conscient, donc tu peux interagir, tu vois ce qu'ils sont en train de faire autour. Est-ce qu'il a annoncé, quand il m'a dit d'annoncer son arrivée, est-ce qu'il m'a dit son nom? Non. Non, non, la créature t'a juste dit annonce mon arrivée. Elle a rien dit de plus. Bon, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé là? Apparemment, on a essayé d'entrer. Je vois des traces de pas là. Et c'est même pas des pas, c'est des pieds en fait. Quelqu'un peut m'expliquer? Cette silhouette, une créature énorme qui est arrivée. Elle m'a ordonné d'annoncer son arrivée. D'accord, et c'est la même forme que tu avais dessinée? J'avais en tout cas vécu ces rêves, enfin du moins des similitudes par rapport à une précédente nuit où il y avait cette même odeur et j'avais retranscrit en effet cette même silhouette. C'est vrai qu'il y a encore cette odeur vraiment... exactement la même. Nauséabonde, là, qu'il y avait chez toi et qui a ici aussi, quoi. C'est, on dirait, la même odeur. Exactement la même. Ouais, ben... À part aller acheter un gris-gris dans ce haut, je sais pas ce qu'on pourrait faire, en fait. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Oh putain, je sors mon flingue. Parce qu'il doit être 3h du matin, quoi, un truc comme ça, non? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, peut ouais, ça. Bah alors direct, j'ouvre. Tu ouvres, tu tombes sur le tenancier de l'hôtel. Oh, tu m'as fait peur, putain. Tu m'as fait peur. Putain. Non, non, c'est le tenancier de l'hôtel qui a l'air d'être à moitié endormi et. Veuillez m'excuser, mais un client est venu se plaindre de bruit et de hurlements qu'il y aurait eu dans l'une de vos chambres. Tout va bien, il n'y a ouais, pas besoin d'appeler la police ou une ambulance, tout va bien. Je mets ma main derrière mon dos, quoi, pour éviter de voir qu'il voie le flingue. Et je fais non, vous inquiétez pas, c'est juste mon ami qui a eu un cauchemar et il a crié, quoi. Enfin, vraiment désolé. Désolé pour la perturbation. Oui, je passe devant Henri carrément pour me mettre l'hôtelier Henri et je fais ne vous inquiétez pas. Je suis médecin, je maîtrise la situation, tout va très bien. Un simple petit cauchemar et tout va rentrer dans l'ordre. D'accord, d'accord, très bien. Et tu vois que il essaye tant bien que mal de jeter un petit coup d'œil dans le reste de la pièce. Alors, je serai derrière Anne en fait pour qu'il évite de voir.
D'accord. Ouais. Nous sommes vraiment désolés que son cri ait pu réveiller un de vos clients au sommeil léger, mais voilà, ça ne se reproduira pas. Il va bien dormir maintenant. C'est bien sûr, hein, ça ne se reproduira plus parce que vous comprenez que j'ai. Je ne peux pas me permettre que mes clients soient importunés toutes les nuits à cause de cauchemars ou ce genre de choses. Donc j'espère que ça ne se reproduira plus, sinon je serai malheureusement obligé de vous demander de quitter mon établissement. Vous comprenez, hein, Bien entendu. Est-ce que par hasard, dans son discours, il n'y aurait pas un... Donnez-moi quelques billets et on passe ça sous silence. Non, t'as vraiment pas l'impression. Non, j'ai pas cette impression là. D'accord. Non, le mec a vraiment. T'as vraiment l'impression que c'est le. Bah voilà, c'est juste que c'est. Ça l'embête un peu que des clients se plaignent de son établissement. Enfin, si dans son établissement ils sont dérangés en pleine nuit par des gens qui hurlent de cauchemars. C'est. Et puis le mec a l'air d'être vraiment. À moitié endormi. Donc, t'as même un doute que. T'as même un doute qu'il ait la présence d'esprit d'essayer de taxer quelques billets de plus. Voilà. D'accord, ok. Bon, très bien, je vous laisse finir votre nuit. Bonne nuit. Et il s'en va dans le couloir. Et effectivement, alors que vous fermez la porte, vous entendez, il y a une porte qui s'ouvre un peu plus loin dans le couloir. Et il y a quelqu'un qui sort. Et vous entendez une discussion qui commence à s'engager entre le tenancier de l'hôtel et un client. Et dans le client qui lui dit « Ah, vous voyez bien, j'ai bel et bien entendu du bruit venant de leur chambre. » Et il dit carrément au tenancier que ça ne se reproduise plus, sinon je quitte votre établissement sur le champ. Et le tenancier qui essaye de calmer un peu le jeu, mais... vous n'entendez plus vraiment le reste de la discussion, puisque... Il est un peu mauvais coucheur, celui-là, hein. Ah ouais. On va appeler un biaki. Écoute, de toute façon, on a deux chambres, il en a une, le tenancier va nous garder, voilà. Ok, il est 3h du matin, je suis un peu perturbé. Je vais vers le bar et je vais me servir un verre. Ok. Anne, toi, tu as pu administrer un petit tranquillisant à Sanford. Sanford, c'est quand ça commence à faire effet, ça va un petit peu mieux et. Tu commences à avoir un peu de mal à garder les paupières ouvertes. T'as tendance à voir tes amis. Et tu les vois un petit peu. Tu vois tout un peu en saccadé. Ça tourne un petit peu. Tu commences à les entendre d'un peu loin. Tu commences à sombrer petit à petit. Qu'est-ce que vous faites, hormis Henri qui picole Je bois un verre pour me réconforter et puis pour essayer de faire un point, surtout de comment on peut gérer cette situation, parce que j'ai l'impression d'être là complètement en fait impuissant. Autant je peux gérer les gens qui nous suivent, etc., tu vois, mais là je me sens vraiment désemparé par rapport à ce que je pourrais sécuriser. Pour sécuriser l'endroit, alors que voilà, on y rentre comme si les portes étaient ouvertes, quoi. Donc je suis vraiment désemparé, quoi. Ok. Anne, Emma. Est-ce que... moi, je vais aérer un petit peu ma chambre, hein. Enfin, notre chambre. Hein. Mm-hmm. Même si c'est que 10 minutes, hein. Et puis pendant ce temps, de toute façon, du coup, je me mets sous la couverture et je. Avec la lampe de chevet allumée, et alors. Je sais pas si.
Emma, est-ce que tu avais un livre normal que tu pourrais me prêter? Un livre normal? Oui, un livre avec une histoire dedans, mais qui n'a rien à voir avec tout ça. Non, je n'ai pas ça. J'ai que des livres. Un Bizarre. rapport avec ce qui nous arrive. Je n'ai rien d'autre là. Bon, mais du coup, je joue avec mes doigts pendant que j'attends une petite dizaine de minutes avant de refermer la fenêtre. Et quand je reviens me coucher, je laisse le chevet allumé. Je joue toujours un peu avec mes doigts. Je vais me rendormir comme ça avec le chevet allumé. D'accord. Du coup, je retourne là où était assise la créature, là, sur le fauteuil, et je regarde s'il y a quelque chose de particulier, si je vois des empreintes ou quoi que ce soit. Y a une petite odeur hein, qui flotte au niveau du fauteuil, effectivement. Et une très très légère trace, comme si quelqu'un s'était assis dans le fauteuil pendant longtemps et que après s'être levé, tu sais, il y a encore vaguement une forme, des coussins un peu aplatis. Et du coup, je le dis à Harry, ça je lui fais remarquer, je lui montre, pour bien lui montrer qu'il y avait quelqu'un assis sur le fauteuil, qu'il le voit, quoi. Ah bah je nie pas en fait les traces. Hein. Je ouais non Non, mais mais je... je comprends hein, Emma, il y a pas Mais de je te souci, je pense promets, que je te crois, Harry, je te crois. je te promets, il était là, assis, il m'a parlé, il tenait toutes mes notes, il les a reposées sur la table de chevet, et il a disparu. Ah mais Il n'est pas je parti, il a disparu. Il a disparu, il s'est envolé quoi. Il a disparu Ouais, comme. il s'est volatilisé, Ouais, c'est il a disparu votre. totalement. D'accord. Je pense que c'est par rapport à la conversation qu'on avait eue hier. Je pense qu'effectivement, le messager de la ville là est en Oui, de train Carcosa. de Carcosa est en train de venir nous titiller quoi, en gros quoi. Mais pourquoi nous? On n'a rien fait. Enfin, je veux dire, pour quelle raison vient-il nous voir? Ben si, je sais. C'est parce que je pense que c'est par rapport surtout au livre que tu es en train de lire, quoi. Tu crois? Ben, vu qu'il t'a dit continue, je me souviens plus Ouais, du mais discours, mais je pense que c'est ça en fait. alors oui, je suis d'accord avec toi, Henri, mais alors et ça me forme. Alors ça, oui, je comprends pas. Parce que moi, je veux bien admettre que pour moi, ok, il y a peut-être le fait que je lise ces bouquins qui sont pas habituels, mais Sanford, lui, c'est pas le cas. Et pourtant, il y arrive à peu près les mêmes choses que moi, Ouais, visiblement. mais il l'a peint, faut pas oublier, il l'a peint. Oui, c'est vrai qu'il l'a peint, oui. Ouais, enfin, c'est confus. Oui, allons dormir, allons essayer de finir la nuit et on verra tout ça demain, Alors, je vais juste un peu plus clairement. faire une proposition, Eric. J'ai un peu d'occultisme. J'ai pas beaucoup, j'ai 25%. Ouais. Mais du fait que ma mère soit un petit peu dans la religion vaudou, etc., est-ce qu'il est possible que j'ai pu la voir faire des espèces de rituels de protection ou des choses comme ça? Et qui pourrait me servir en fait pour essayer d'exorciser en fait ce qui nous arrive quoi. Oui. Oui, t'as Je pu. te fais un jet d'occultisme. Ouais, alors par contre, t'as pas spécialement, t'as peut-être pas forcément les ingrédients pour faire ça, parce que en règle générale. C'était beaucoup basé à base de symboles Ouais. que tu dessinais, alors soit à la craie ou C'est ça, ouais. peut-être avec un truc comme un Mais peu de la farine, des trucs comme ça, Mais. des offrandes aussi, des Ouais. offrandes de rhum ou Généralement, ma mère, de... elle achetait un poulet et elle égorgeait. C'était Ouais, ça. ça pouvait être des offrandes. En fait, suivant le loa que tu implorais,
ça pouvait être aussi des offrandes à base de, d'alcool, de, de poulets sacrifiés. Ça peut être aussi de, à base de, alors, j'ai plus le nom en tête. Je sais qu'il y a un Loa qui aime bien, à qui on pouvait aussi offrir de la poudre noire ou des trucs comme ça. Donc il y a différents. Bon, là comme ça tout de suite maintenant, ça risque d'être un petit peu coton, mais après une fois que tu aurais 2-3 bricoles. D'accord. Ouais, pourquoi, bah, pourquoi pas, ouais. Déjà, est-ce que tu me permets de faire un jet d'occultisme pour savoir s'il y a un rythme de protection, en gros, quoi. Voilà. De mon côté, hein, au côté vaudou, hein, oui. Pas forcément du côté... voilà. Donc, alors, je te fais mon jet d'occultisme. Comme ça, sur un malentendu. Bon, bah non, je sais pas. Voilà, non, voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Ok, bon, bah écoute... Ouais, je discute avec, un peu avec Imagine Emma. Dans ton livre, là, il n'y aurait pas un. Il n'y aurait pas comme une sorte de. Un truc pour nous protéger, je sais pas, une espèce de rituel ou de. Ou de cérémonie pour nous protéger Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de trace. Non. À part le rituel pour invoquer le portail temporaire pour Carcosa et. Et le rituel pour appeler. Mais ce que je comprends pas, c'est que le rituel pour appeler le messager, on l'a pas fait, mais il vient. Ah, j'ai l'impression qu'il vient quand même. Je comprends pas trop là. Je suis un peu troublé. J'ai regardé en détail ce que c'était le rituel d'invocation du messager ou pas. Bah, t'avais pas mal bossé dessus, ouais. Mais on l'a pas. Ce qu'il y a noté dans le rituel, on l'a pas fait. Non. Non. Bah, c'est pour ça, ça me trouble pas mal, quoi. Ben, je pense pas que ce soit nous qui l'ayons invoqué. Hein. Je pense que de toute façon, il a été invoqué par quelqu'un. Ben justement, ça me pose un problème, Henri. Si c'est pas nous qu'on l'a invoqué, pourquoi il vient nous voir à nous? Pourquoi il va pas voir les personnes qui l'ont invoqué? Je comprends pas trop. Je suis un peu dans les spectatives. Est-ce que le fait d'avoir participé à la pièce de théâtre, c'était déjà une sorte d'appel ou de choses comme ça, tu vois? Je sais pas. Ouh, mais dans ce cas-là, Henri, on n'est pas les seuls. Alors, non, mais je suis d'accord. Il y avait quand même du monde ouais. À la représentation. On n'était pas tout seuls. Hein. Ouais. Puis ça prendrait du temps de savoir ce qui est arrivé aux autres personnes qui étaient aussi dans le théâtre. Quoi. Ben, ça prendrait un peu de temps. Non, là, c'est pas possible. C'est impossible. Faudrait remonter. Ouais. Ne serait-ce que tenter de joindre Jean demain pour voir si tout va bien. C'est la seule personne effectivement avec qui on a contact qui pourrait peut-être nous en dire plus si jamais elle a des choses à nous dire ou elle est dans le déni quoi. Elle n'a pas l'air de vouloir. Oui, j'allais dire si elle le souhaite parce qu'elle refuse de reparler de la pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous finissez par aller vous coucher? Ouais, je lis quelques pages du livre que j'avais acheté, tu sais, le fantôme d'Agatha Glaé là de Dessus Talbot là. Et puis je lis quelques pages et puis je vais me coucher après. D'accord. Et moi du coup, par rapport à la conversation que je viens d'avoir avec Henri là, je dors pas tout de suite, je relis mes notes et je regarde si je peux pas trouver quelque chose. Qui ressemblerait justement à ce qu'il a parlé, Henri, un rituel pour nous protéger ou un truc dans le style, quoi. Tu me fais un test de santé mentale, s'il te plaît. Et voilà. Super. Il fallait pas poser la question. Alors, le test de santé mentale que je t'ai demandé va servir à deux choses. Premièrement, tu as pas mal étudié le livre le passant près du lac, là, Der Wanderer d'Urdense, le livre qu'Alexander Roby a écrit. Et ça t'a quand même laissé quelques petites traces, cette lecture. Ce qui fait que tu perds 3 points de santé mentale. Alors ça c'est, je le fais maintenant parce que j'y pense, parce que je devais le faire déjà lors de la dernière session. Je le fais maintenant parce que j'y pense.
au total, tu perds 4 points de santé mentale. Non seulement parce que ce que tu as lu déjà depuis quelque temps dans ce bouquin-là, ce que tu en as extrait, ce que tu en as compris, et aussi parce que il y a certains endroits dans tes notes où il y a des choses qui ont été rajoutées. Mais c'est pas toi qui les a rajoutées. C'est pas ton écriture. C'est ouais. Je peux même déduire que c'est la personne qui était assise sur mon fauteuil qui a rajouté les trucs, quoi. Peut-être. Parce que mis à part ça, personne n'a eu accès à nos notes. Hein. Et le truc, en fait, c'est dans tout ce qui est en fait, dans le rituel, dans les deux rituels que tu as dans que tu as récupéré, aussi, tu te rends compte qu'il y a, en fait, comme si la personne avait rectifié des petites erreurs dans le texte, dans les rituels, des petites erreurs. Donc le et par contre tu sais pas avec quoi ça a été écrit. T'as l'impression que c'est comme si on avait écrit avec une aiguille, peut-être une aiguille chauffée avec une flamme, tu sais, le papier a un petit peu noirci sans vraiment brûler quoi que ce soit. Et t'as quelques trucs qui ont été rajoutés et ouais, t'as vraiment l'impression que le texte a été rectifié parce que t'avais peut-être fait des petites erreurs. Et là, comme si on t'avait rectifié pour que ce soit correct et juste. Donc c'est pour ça que tu as perdu tes 4 points de santé mentale. Petit détail, tu peux te rajouter... tu vas pouvoir te rajouter tes premiers points de ta compétence de mythe de Cthulhu. Que je dise pas de bêtises. Je crois que tu peux pas le faire en tant que joueur. C'est le meneur qui doit le faire. Le gardien qui doit... Ok. Je crois que c'est bloqué. Moi, j'avais demandé à un de mes joueurs et il pouvait pas avoir accès. Donc, je pense que c'est toi qui dois le faire. Et bah, j'y vais. Et donc, en mythe de Cthulhu, tu as maintenant 6 points de mythe de Cthulhu. C'est à cause de la lecture de la pièce du roi en jaune, de ce que tu en as extrait, de tes notes, de ce que tu as lu dans le Ktat Aquadigan, dans le la clavicule de Salomon, t'as lu quelques trucs, tiens d'ailleurs oui ça me fait penser, la clavicule de Salomon, tu as lu quelques trucs et du coup tu as gagné quelques points en occultisme. Alors ça c'est des trucs gratos hein, voilà. Mais donc tu as 6 points de mythe de Cthulhu pour l'instant. Voilà. Et donc comme je te disais, dans tes notes, il y a quelqu'un à rajouter, à corriger, rectifier certaines choses. Et donc il a corrigé quoi ? En fait dans les incantations nécessaire pour appeler Carcosa avec le cercle de pierre ou ouvrir le passage, il y avait des petits, apparemment il devait y avoir des petites erreurs dans tes traductions. Peut-être que maintenant tu as un texte le texte exact des incantations à faire, ce genre de truc. Après tout, d'accord. Il a dit que tu avais fait déjà du bon travail. Oui, mais après voilà. On va me dire, ouais, c'est chouette, en fait, s'il faut, je travaille pour lui, et voilà, quoi, c'est pas bien non plus, quoi, donc, du coup, je trouve rien sur un rituel qui pourrait nous protéger, quoi que ce soit, y a rien de... Non. Y a rien du tout. Ok, bah, du coup, je fais ça, là, et après, je vais me recoucher. D'accord, bon, bah, tu vas te coucher, Anne, bon, bah, t'as vu, tu t'es peut-être endormi avant que Emma... retourne se coucher. Oui. Et je pense que la nuit va finir par... vous avez terminé votre nuit plus ou moins tranquillement. Sanford, toi, tu t'es mais complètement enfoncé dans une espèce de sommeil sans rêve, de sommeil chimique grâce aux produits que t'as filé. C'est ça, oui. Anne. Complètement anesthésié. Ouais. Même si, malgré tout, dans ce sommeil sans rêve, au petit matin, tu es quand même
tu te réveilles avec une espèce de... Alors, t'es un peu comateux, mais tu te réveilles avec une espèce d'envie de... d'envie d'exprimer quelque chose, de... t'as envie de dessiner, de sentir le fusain sous tes doigts, de faire courir du fusain sur une grande feuille. T'as... Voilà, c'est... un peu comme quelqu'un qui se lève le matin, qui a envie de fumer sa première clope du matin. Bah là, t'as cette envie-là de dessiner, de mettre à plat sur une feuille quelque chose. T'as aucune idée, tu sais pas trop ce que t'as envie de dessiner, mais t'as cette espèce d'envie de produire quelque chose. En tout cas, je suis déterminé pour dessiner en tout cas ce que j'ai vu et puis de montrer voilà à mes compagnons et à ma sœur. D'accord. Bah écoute, sans rien dire. Hein. Ouais. D'accord. Bah du coup tu redessines quoi? Tu redessines. Si j'ai bien compris, tu redessines plus ou moins la scène dont t'as été témoin. Bah le moment où, en fait où il a ouvert la porte. Là où d'accord. Il dormait Ma et Anne à côté et où il s'apprêtait à y rentrer. Ok. Bah, ce qui fait que Anne, Emma et Henri, bah, peut-être même que quand vous vous réveillez tous les uns après les autres, je pense que Sanford s'est réveillé un peu avant vous avec cette espèce d'envie irrépressible. Et peut-être que vous le trouvez... après, c'est, tu me dis, hein, Sanford, si... Peut-être que vous trouvez Sanford au milieu du salon en train de dessiner un peu frénétiquement sur un de ses bloc-notes. Je fais pas attention à eux, en présence. Vraiment focalisé sur mon dessin. Moi, si je le vois dessiner, moi, je m'assois à côté de lui et je regarde dessiner. D'accord. Anne, Henri. Moi, je vais aller chercher le journal en bas. Ouais. Et faire monter un petit déjeuner pour tout le monde. D'accord. Et Anne, tu fais quelque chose? Eh ben, je vais attendre qu'on m'apporte le petit déjeuner au lit. D'accord. Tu peux rêver, Lucette. T'avais l'air bien parti, toi. Très bien. Mais en fait, bon, tu commandes un petit déjeuner, t'as récupéré le journal. Pourquoi tu voulais récupérer le journal? Bah pour avoir les news, surtout, pour la mort du comment il s'appelle? Alexander Roby. Ouais, ça. Et puis. Du docteur Trollope. Et du docteur Trollope, savoir si on voit des choses aussi effectivement dessus dans le journal. Et puis, si on nous parle d'un certain Harold Jennings qui serait fait dévorer par je sais pas quoi. Par ses chiens. Par ses chiens qui se sont entretués après. D'accord. Il y a un tout petit entrefilé sur le décès du docteur Trollope. J'ai un petit doute, est-ce que je l'avais... Il y a du café, il y a du thé, il y a des croissants et une bouteille de Bordeaux. Non, je déconne. Ah non, je l'avais pas mis le. En fait, dans l'article sur le décès du docteur Trollope, en fait, ça vous apprend pas grand chose de plus. C'est quand on cherche naturellement qu'on ne le retrouve plus. Ah voilà. Donc un article, l'article en fait, c'est vraiment un tout petit entrefilé dans les faits divers. Hein. Un homme poignardé à St. James Park, deux hommes recherchés. Un gentilhomme a été attaqué et tué à St. James Park la nuit dernière, peu après 18h.
Il s'agit du docteur Lionel Trollope, demeurant alors il y a l'adresse. Un jeune camelot a vu l'attaque se produire. L'attaquant, un homme grand portant un long pardessus noir et, à la chevelure poivrée, est parti vers Vemol, où il aurait pu rejoindre un autre homme petit et corpulent avant de s'enfuir vers Waterloo Place. Le docteur Trollope dirigeait un cabinet médical réputé sur Bedford Place. Il avait 60 ans, des cheveux gris, une moustache blanche. Bon, il y a une petite description du docteur Trollope, et ensuite un tout petit paragraphe qui vous dit que la police souhaiterait parler à toute personne s'étant trouvée à St. James Park ou aux alentours à l'heure du crime, au cas pour s'assurer qu'au cas où ils auraient vu quelque chose ou pas. Mais vraiment rien de plus, quoi, de par rapport à ce que vous aviez découvert, de ce que Henri, tu avais eu comme information auprès de la police. Ouais. Ça t'apprend vraiment rien de plus, quoi. Ok. Et sinon, bah non, il y a rien sur l'éventuelle mort de Jennings. Après, votre journal, c'est hyper centré sur l'ombre et la banlieue. Ouais, ouais. Là, c'était un petit peu plus loin, donc c'est pas sûr que t'arrives que t'aies des infos sur tout là. Mais en tout cas, tu trouves aucune mention. Quant à Sanford, il vous a bel et bien dessiné une représentation de la chambre, de la porte, et cette espèce de grande silhouette maigrichonne, dégingandée, mais mesurant presque 2,50 m, 3 m, à moitié courbée et commençant tout doucement à se faufiler dans la porte, par la porte qui mène, vous le comprenez, à votre chambre, à Anne-Emma. Dessin un petit peu creepy quand même. Et vu que moi je le regarde, je le reconnais. Ah oui, là, c'est... oui, c'est... ça te fait penser. Ça te fait bel et bien penser à ce que tu as vu dans ta chambre. Et Sanford, toi, une fois que tu as fini de dessiner ça, tu. Ah, t'as une espèce de soulagement. Une espèce de soulagement, voilà, t'as exprimé quelque chose par ton dessin et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il est venu à vous? À ce moment-là, je ne me souviens plus de rien. Le moment, justement, de la scène que je vous ai dessinée. D'accord. Passé. Donc on a un type, Mac Grichon, qui fait 2,50 m, qui rentre dans nos chambres et qui disparaît. J'ai bien résumé? Oui. Et qui vient nous parler, parce que apparemment il vous parle. Bah visiblement oui, il a dit quelque chose à Antford et il m'a parlé à moi aussi. Voilà. M'a dit d'annoncer votre venue et voilà, c'est ce que j'ai représenté. Notre venue? Sa venue. Ah, sa venue? Oui. D'accord. Alors là, juste pour indication, il est à peu près 9h du matin. Vous avez on vous a amené un petit déjeuner copieux anglais. Enfin, de toute façon, quel autre petit déjeuner peut-il exister que un bon petit déj anglais avec des beans. Ouais, une tranche du bacon bien gras. Ouais, bah voilà. Il y a pas d'autre vrai des petits déjeuners. Si, si, il y a les Français. Oui, avec la charcuterie et tout. Et avec des croissants surtout. Du coup, bah voilà. Que faites-vous? Bon. Bah, on va faire un conciliabule et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire, effectivement. Par quoi on commence?
Je pense en douceur, peut-être récupérer les photos que j'avais demandé à faire développer. Les photos, faut pas oublier aussi que Anne, je crois que t'as envoyé à ton ami des échantillons de mousse, oui. etc. Donc, alors le truc, ouais, le truc, c'est pour ça, ça a été envoyé la veille. Par contre, le problème avec l'appareil photo, c'est que t'as confié ça, t'as demandé à ce qu'on aille filer ça pour faire développer. Sauf que c'était le dimanche. Donc là, ton appareil photo, il sera déposé chez un photographe seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Donc on aura pas les photos. Dans le meilleur des cas, tu pourras avoir les photos le lendemain. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Ah ouais, tiens, du coup, je demande à Sanford. Sanford, vu que t'es d'humeur à vouloir dessiner ce matin, est-ce que vu que ça va être encore très frais dans ta mémoire, est-ce que tu pourrais pas nous redessiner ce qu'on a vu dans la campagne? Bah c'était à peu près le même personnage. D'ailleurs, le croquis, je l'ai gardé avec moi. Je pense que dans la campagne, les Biaki en fait. Et alors, d'accord, avec les Biaki. Et vu que tu es très très doué, Sanford, est-ce que tu pourrais te souvenir à quoi ressemblait le tenancier et en faire un portrait? Je vais essayer. Ça pourrait nous être utile, ça. Cette chose est assez marquante quant au tenancier. Écoute. Oui, j'ai une très bonne mémoire, donc écoute, très bonne idée. Écoute, pour chacun de ces dessins-là, je vais te demander un test. Alors, c'est pas pour savoir si tu vas bien le réussir ou si tu vas faire. Voilà, t'es un artiste, donc forcément, tu. Voilà, c'est juste pour savoir si tu vas réussir à faire le. Plus à te souvenir des détails pour que ça fasse quelque chose de vraiment très ressemblant que de faire un beau portrait au crayon. C'est vraiment. Donc, ouais, tu peux faire un test d'art et métier. De quoi, c'était peinture, bon, peinture, dessin, c'est pareil. On va pas chipoter. Fais un test pour chacun, pour le Biaki et un test pour le tenancier. Ouais. Donc celui-ci, c'est pour Biaki. Oui. D'accord. Oh bah, impeccable. Impeccable, tu fais deux magnifiques. Ça te prend un petit peu de temps, mais tu fais deux magnifiques portraits. Et voilà le travail. Voilà. Ça vous fait quoi de revoir avec autant de détails? Parce qu'en plus de ça, Sanford, lui, c'est pas lui qui conduisait dans la voiture et qu'il observe, il a beaucoup observé quand vous enfuyez. Effectivement, Sanford, t'as emmagasiné pas mal d'informations. Ça vous fait quoi de revoir comme ça, poser sur papier les créatures qui vous ont attaqué? Moi, je pense qu'il a beaucoup d'imagination, même beaucoup trop en fait, parce qu'il y a trop de détails. Mmh. Je me souviens d'un grand. On est toujours le. Pardon. Ouais. Non, tu disais quoi, Isaiah? On était toujours le matin ou. Ah, il est 9h. Ouais, ou c'est si le matin, on... c'est avant que vous partiez. C'est toujours juste. Voilà, on est encore un peu à la fin du match, quoi. Ouais, je pense que je partais du principe que c'était avant que vous vous mettiez en route pour faire quoi que ce soit, d'ailleurs. Oui, non, mais parce que si je suis encore en pyjama, moi, dès que je vois les dessins, je vais dans mon lit, sous la couette, sous la couverture, je... Voilà, je veux plus rien... Oui. Je vais me cacher. Oui, c'est vrai que toi, t'avais été pas mal choqué. Et puis bon, tout le monde sait que le meilleur endroit pour se mettre pour se protéger, c'est enfoui dans son lit, sous sa couette. Il n'y a pas meilleur endroit pour se. Voilà. C'est une psychanalyste qui te le dira, ça. Voilà. Exactement. Ben, moi, j'aurais tendance à être un peu émerveillé par tous les détails qu'a mis dans son dessin Sainte-Fab. Et que je le lis. En fait, la créature, je ne l'imaginais pas du tout comme ça, en fait.
Je ressemblais à un espèce de gros ptérodactyle en fait, tu vois, donc voilà, avec des grandes ailes, etc. Donc effectivement, de le voir comme ça, ça me surprend. Voilà, ça me surprend. Mais je suis pas fier. Hein. Enfin, je me souviens encore, tu vois. En regardant le dessin à Sandford, j'ai en mémoire en fait l'espèce de course-poursuite avec la créature qui m'a quand même mordu, etc. Donc tu vois, ça revient un peu en mémoire et j'ai un peu le frisson. Je suis quand même vachement tenté d'aller vers le bar là, mais je me retiens parce qu'il est 9h du matin. Mais voilà quoi, ça me fait penser quoi. Et dans quel état d'esprit je suis. Ok. Bon, bah, j'ai l'impression que vous commencez bien la journée, quoi. Justement, ouais. Quel est votre programme pour la journée? Bah, c'est là, on va discuter de ça. Anne, reviens. On va discuter. Moi, je sors pas de mon lit comme ça. Hein. Moi, je prends toute une petite douche, hein, histoire de me réveiller. Bah oui, en plus toi t'as pas mal transpiré quand t'as fait ta crise, donc tu dois être bien bien collant et gluant de sueur froide, donc. Est-ce que l'odeur a disparu? L'odeur est partie, oui. D'accord. Donc on peut déterminer que l'odeur nauséabonde et on va dire comment je pourrais dire ça? Est en rapport avec la grande silhouette quoi. Dès qu'on sent cette odeur, sa venue n'est pas, comment dire, sa venue est imminente, on va dire. À chaque fois ça a été le cas d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois que. Bon, alors moi ce que je vous propose. En fait j'en sais rien du tout. Bah du coup les photos... Je suis avec mon carnet, je regarde un peu... Ouais, c'était ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'était de récupérer des photos. Ouais, mais c'est trop tôt. Ouais, c'est trop tôt pour les photos. Les échantillons, c'est trop tôt aussi, parce qu'on les a envoyés hier. Ouais. Est-ce qu'on a envie d'aller voir le cadavre du prétendu Alexander Roby De toute façon, pour voir si c'est lui. De toute façon, je pense que le livre d'Emma est la source. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils veulent peut-être le récupérer. Hein. Allons savoir. De quoi? Le livre que tu as. Quel livre? Celui que tu n'arrêtes pas de lire. Je lis aucun livre, là. Je pense qu'il parle du passant près du lac. Ah, oui, le passant près du lac. Ouais, ouais. Tu crois qu'ils veulent récupérer ce livre-là? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, il y a deux choses que j'aimerais bien, c'est connaître mon ennemi. Et mon ennemi, c'est Bacon. Et j'aimerais bien aller faire un petit tour dans sa boutique. Sauf que ça, on peut pas faire le. On peut pas faire avant le soir, de toute façon. Je pense que sa boutique doit être ouverte. Mais au moins être en repérage pour. Et c'est là le problème, c'est que je vais pas vous demander de venir en repérage. On va être tous les quatre dans la voiture et on va attendre que ça se passe, quoi. Ou alors on va essayer de se renseigner à la bibliothèque sur les écrits que j'ai notés sur la pierre noire. Là. Pour savoir à quoi ça appartient, si on arrive à trouver quelque chose, des indices, des informations sur ce que ça dit. Sinon, on peut prendre mes notes et les croquis faits par Sandford et aller voir une connaissance à moi qui est peut-être plus érudite dans le monde de l'occultisme et peut-être que lui nous donnera des informations. Si tu as des gens, si tu as des amis qui peuvent nous éclairer, moi je suis preneur. Hein. Ben oui. Après, tu sais, bon, tu sais, t'as... Pas forcément des amis, mais des connaissances. Après, voilà, c'est. Est-ce que c'est des gens qui vont vouloir, qui sont d'accord pour te recevoir et
Et t'aider, ça c'est encore autre chose. Bah, je peux essayer d'en appeler un pour voir si je peux prendre rendez-vous. Si c'est pas pour aujourd'hui, mais au moins prendre rendez-vous pour. Voilà. D'accord. Sinon, Anne, tu pourrais peut-être rappeler le docteur Highsmith, non? Pour lui dire quoi? Ben, pour savoir ce qui s'est passé avec l'infirmier Evans. Ah bah oui. Et moi, ouais, j'hésite encore à est-ce qu'on veut aller là-bas pour se rendre compte nous-mêmes de l'état du corps. On peut. Alors, est-ce que ça va pas être trop tard? Je sais pas, ouais, je pense pas. Bah, enfin, à mon avis, il doit plus être le corps là-bas. Bah, ils l'ont ramené à Londres ou. À Londres, je suis pas sûr. Ou alors dans une morgue, mais pas. Enfin, voilà, quoi. Il est plus à l'hôpital, je pense. Bah, à mon avis, ils ont une morgue hein, dans cet hôpital. Tu crois? Ouais, tu crois qu'ils ont un truc là, cette clinique là-bas? Ouais, peut-être. Et puis. Comme c'est un crime, je sais pas s'ils vont balader le cadavre comme ça. Vite, tu vois, même si le frère est venu l'identifier, pas sûr qu'il ait le droit de l'emporter avec lui. Mais ça serait marrant d'ailleurs de savoir si le frère est venu l'identifier. On ne sait pas ça. Pour toi, Anne, oui, et même Henri, vous doutez très bien. Hein, serait été un cas de mort naturelle ou un truc comme ça, peut-être que le corps aurait été rapatrié assez rapidement. Là, oui, ça, le corps doit certainement être conservé ou bien à la clinique, enfin à l'asile, ou bien chez un coroner du coin. Mais tant que l'enquête, voilà, ça peut prendre plusieurs jours à ce que l'autopsie soit faite. Que l'enquête avance avant qu'on dise que d'accord, le corps peut être emmené et inhumé. Ça peut prendre plusieurs jours. Donc il y a de très fortes chances pour que le corps soit encore ou bien à l'asile ou bien dans un chez un coroner dans les environs. Ça c'est sûr. Alors moi il y a une question que je vais te poser. Ouais, c'est donc c'est au niveau de la juridiction en fait parce que. J'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner en Angleterre. Je sais qu'aux États-Unis, c'est par secteur, etc. Donc, mais là, je ne sais pas du tout comment ça se passe. À savoir si le petit commissariat de police du coin, là où se trouve l'hôpital, va être chargé de l'enquête ou si on va demander à un constable de Londres de venir faire l'enquête, quoi. Non, ça va être. Tu sais que ça va être un enquêteur du coin. Enquêteur du coin, donc c'est le commissariat ouais. Qu'on avait visité. Putain, je sais plus où c'était. Ouais, pour toi, c'est sûr et certain, ça va être. Ouais, ça va être ça. Ce sera pas Londres qui sera directement concerné, quoi. Non. Même non, si non. On sait que, on va dire que Graham Roby a quand même, on va dire, beaucoup d'influence et qu'il peut faire revenir le corps sur Londres et demander à. Ça, c'est. Oui, ça c'est autre chose. Ça, c'est... Ouais. Tu penses que si, oui, connaissant le bonhomme, t'as vu un peu, effectivement, apparemment, il a l'air d'avoir le bras long. Certainement que le mec, s'il tape du poing et qu'il sort quelques billets, ça risque de faire bouger les choses comme lui veut. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, ce serait pas une mauvaise idée hein, d'aller là-bas, hein, Anne, pour aller voir Smith et puis lui demander ce qui s'est passé, quoi. Oui. C'est une bonne et idée. Puis moi je veux voir ce corps et bon seulement les ça me dérange pas trop de voir un corps comme ça même si je sais qu'au niveau du visage je vais c'est pas ça que je vais regarder le plus hein. Mais voilà et je me dis avec autre chance on va peut-être croiser Graham Roby aussi qui est peut-être pas allé hier tu vois ouais ah c'est possible ouais. Alors là, temps de discuter tout ça, pas loin de 10h du matin, vous avez largement le temps de faire l'aller-retour dans la journée pour aller à l'asile. D'accord. Vous avez largement le temps. Faut qu'on loue une voiture hein, parce qu'on en a pas. La mienne c'est est vrai trop que t'avais abandonné.
Ouais, t'avais abandonné ta voiture et vous étiez déplacé par transport en commun. Ouais. Ouais. Et taxi. Et je pense pas que. Je pense pas qu'il y ait transport en commun. Et Revenge Charrier. Bah, il y a un train qui permettrait d'aller jusque là-bas, mais après sur place, il y a quelques kilomètres à faire avant d'aller jusqu'au. Et qu'est-ce que t'en penses, Anne, de louer une voiture? Après, louer une voiture, toi, Henri, tu saurais trouver. Voilà. Il y a peut-être des garages qui, en leur filant quelques bichetons, C'est ça, ouais. ils peuvent te laisser emprunter une voiture. Donc après, faut voir si tout le monde est d'accord pour faire ça, hein. Le problème, c'est ça, c'est que si on se divise, Bah, faut le faire tout de suite, hein, de toute façon. bah, faut le faire tout de suite, ouais. Faut faire tout de suite, Y a pas à hésiter. ouais. Bah ouais, moi, même si moi vous voyez que ça m'embête, parce que j'ai pas franchement envie d'y aller, mais bon, on a dit qu'on est resté ensemble, donc je vous suis, quoi. Ouais, parce que Mais je suis pas emballé, quoi. bah, moi j'ai pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit, que vous soyez kidnappé, etc. etc. Donc je préfère qu'on agisse à quatre qu'au lieu de se séparer. Voilà, c'est mon avis. Bah, du coup on va louer Ok. une voiture et puis on va aller dans le comment. Retour à l'asile. Ouais, retour à l'hôpital. D'accord. Bon, le tu réussis à tu réussis à Asile louer un véhicule. Sainte-Agnès. Asile Voilà. Sainte-Agnès. Tu réussis à louer un véhicule, aucun problème. Vous prenez la route, ça vous prend, comme je vais dire, ça prend quelques petites heures. Vous allez arriver là-bas en début d'après-midi, le temps de faire la route, de manger un morceau. Vous arrivez aux abords de l'asile vers 14 h. Et tout de suite, ce que vous remarquez, qui saute aux yeux, c'est que lorsque vous arrivez, il y a une magnifique voiture de luxe noire garée sur le parking de l'asile. Il y a même une espèce de chauffeur majordome qui est avec une livrée, une casquette, des gants blancs qui est en train de, pour un peu s'occuper, est en train de passer un coup de chiffon sur la carrosserie, alors que la carrosserie brille déjà suffisamment. Il y a rien, il n'y a pas un seul grain de poussière, mais c'est pas grave, il s'active quand même à nettoyer le véhicule. Bon, par contre, là, le docteur Highsmith ne vient pas vous accueillir puisque vous n'avez pas annoncé votre arrivée. Donc c'est un infirmier, quand vous arrivez au niveau de l'établissement, qui dit oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est vous voyez quand même qu'il jette un regard vers Sanford, parce que Sanford, bon, t'as quand même passé une nuit bien pourrie, et t'as peut-être encore quelques traces. Vous venez ici, vous venez nous déposer un patient? Non, non, pas du tout. Nous aimerions voir le docteur Highsmith. Nous l'avons déjà vu il y a quelques jours de cela et nous aimerions le revoir. Ah, malheureusement, le docteur Espy est extrêmement occupé. Oui, on n'a pas pris de rendez-vous, mais. Ah oui, bah, si vous n'avez pas pris rendez-vous en plus, Ben non, c'est et surtout parce que, en fait, c'est surtout par rapport à la mort d'Alexander Roby, en fait. La première fois, nous étions venus pour le voir. Pourquoi? La mort Eh d'Alexander. bien, est-ce que ça... Je suis le docteur Anne Clark. Pouvez-vous lui signifier que je suis ici et que je souhaiterais le voir? Je suis sûre qu'il me recevra. D'accord. Si vous dites, suivez-moi. Et il vous emmène en direction du bureau du docteur Highsmith. Et alors que vous approchez du bureau, plus vous approchez, plus vous entendez des éclats de voix. Il y a quelqu'un qui est en train de gueuler à l'intérieur du bureau. Et Henri, tu reconnais la voix de Graham Roby. Ok.
toute façon, quand j'ai vu la voiture luxueuse devant, je me suis un petit peu douté que c'était Monsieur Roby qui était là, quoi. Et l'infirmier tapote à la porte tout doucement et ouvre, les éclats de voix se cessent. Et l'infirmier, vous entendez dire au docteur Smith que docteur Anne Clark est là. Et il vous fait signe, il vous dit de rentrer. Et effectivement, il y a bel et bien Alexander Roby, Alexander Graham Roby qui est là, qui fait les 100 pas dans la pièce, en train de fulminer le docteur Smith qui est derrière son bureau. Et d'ailleurs, Graham Roby met quelques instants avant de te reconnaître Henri. Bah, moi, je vais aller directement lui serrer la main et puis, Monsieur Roby, toutes mes condoléances pour votre frère. Alors, il te serre la main et il dit rien, il te dit rien d'autre en fait. Hein. Mais il dit ouais, je vois pas, il y a pas de condoléances à me donner. Ce foutu médecin ne veut pas croire. Ce n'est pas mon frère. Je ne sais pas s'il est mort là-dedans, mais ce n'est pas mon frère. Voilà. Je regarde Graham et je fais nous sommes tout prêts à vous croire. Monsieur Roby. Vous êtes bien la seule. Et le docteur Smith se lève bien. Voici le docteur Anne Clark qui a fait la dernière expertise de votre frère. Et elle l'a rencontré il y a de cela presque 2 semaines, presque 3 semaines. Et le Graham Roby, elle a fait son expertise, très bien. Sauf que je suis venu, on m'a demandé de venir ici, on m'a annoncé que mon frère était mort, on m'a demandé de venir récupérer le corps et faire les papiers. J'ai vu le corps. C'est horrible, je ne sais pas qui est cette personne, je ne sais pas qui est le pauvre bougre qui s'est fait poignarder et charcuter à ce point-là. Mais je suis formel, ce n'est pas mon frère. Donc vous arrêtez, il dit ça au docteur Espice, arrêtez de me prendre de haut, arrêtez de ne me sortez pas votre laïus, c'est le chagrin, c'est le voilà. Non, ceci n'est pas mon frère, j'en suis sûr et certain. Il y aurait je fais volte-face vers Smith pendant que Sanford s'entretient avec Graham. Ouais, Sanford, tu voulais dire quelque chose, toi ? Oui, je voulais lui dire, est-ce que vous pourriez nous prouver par un signe distinctif voir Alexander Roby Ok, toi, tu dis ça, et Anne, tu dis quoi, toi, au docteur Smith ? Je dis, et alors, avez-vous nouvelles de votre infirmier, monsieur Evans ? Là, tu vois Smith qui sort, qui enlève ses lunettes, qui sort un mouchoir et qui se tamponne un peu le front. Du coup, il y a deux conversations assez rapides en fait qui vont se tenir. En fait, Smith commence te dit ne me parlez pas de cette histoire-là. J'endors pas depuis que vous m'avez appelé. Le Evans ne s'est pas présenté. Le matin qui a suivi la mort de Monsieur Roby, il ne s'est pas présenté. Et lorsque vous m'avez fait part de vos doutes, j'ai prévenu la police. La police et je leur ai donné l'adresse que j'avais de et ils y sont allés. Et apparemment la maison, c'est pas que la maison est vide, c'est que qui que soit cet homme, il est parti précipitamment. Il ne restait quasiment plus rien. Les placards étaient les armoires étaient vides, il n'y avait plus un seul vêtement. Apparemment, il est parti, je ne sais pas. Et pourtant, vous persistez à croire que l'homme qui est mort dans votre hôpital est Alexander Roby. Tu vois qu'il a l'air. En fait, la situation a l'air de vraiment, vraiment le peser, mais quelque chose de bien. Toi, Sanford, du côté de Graham Roby,
quand tu lui as demandé s'il n'y avait pas un signe distinctif, dit-il, oui, si, il y a quelque chose. Nous étions petits, Alexander et moi jouions dans le jardin familial. Alexander est tombé d'un arbre, il s'est fracturé le bras, une fracture ouverte. Il a une cicatrice au niveau du bras droit. Et lorsque j'en ai parlé au médecin, il me soutient que avec le temps la cicatrice s'est peut-être estompée, c'est pour ça qu'on ne voit quasiment plus la cicatrice. Et je sais ce que je dis. Il avait une cicatrice de presque 6 cm de long. Je sais, je la reconnaîtrai, et je peux vous assurer que même des années après, on voit encore sa cicatrice sur son bras. Donc, et le corps, j'ai regardé, il n'a pas de cicatrice. C'est, voilà. Je ne vois pas quoi vous dire de plus. Ce n'est pas mon frère, point barre. Et sur ce, le docteur I. Smith, en fait, il discutait avec toi, Anne, et il a entendu ce que vient de dire Graham Roby Oui, écoutez, vous m'avez parlé, vous m'en avez parlé une dizaine de fois depuis que vous êtes arrivé hier de cette histoire de cicatrices. Je ne sais pas, il ne manque pas un seul patient dans mon établissement. Et la corpulence correspond à votre frère. Oui, il n'y a plus de visage. Vous me dites qu'il n'y a pas la cicatrice. Écoutez, si cette affaire s'ébruite, c'est tout mon établissement va fermer. De pauvres malades vont se retrouver éparpillés, dispatchés dans d'autres établissements où ils seront moins bien traités. Chez Amazon Prime, on a. Est-ce qu'on on peut peut-être trouver une solution, peut-être essayer de calmer un petit peu. En tout cas, essayer de nous aider à identifier, je sais pas, peut-être trouver des pistes. Peut-être dans la chambre. Notre but est de retrouver Alexander. Oui, enfin dans la chambre, il ne reste que. Enfin, il y a ses affaires et ses livres, rien d'autre. Corps est actuellement chez. Pas d'odeur particulière. Non, pas d'odeur. Non, hormis une odeur de sang qui imprégnait toute la pièce. Le corps d'Alexander est sur le coup, Graham se retourne et lui hurle dessus. Alors que jusqu'à maintenant il gardait quand même un certain langage, et il se retourne vers lui, mais espèce d'abruti, je vous ai répété je ne sais pas combien de fois, ceci n'est pas le corps de mon frère. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons, assumez, vous avez fait des erreurs, vous avez fait une connerie. Si je comprends bien, un infirmier n'était pas vraiment un infirmier, si j'ai bien suivi ce que vous dites. Ouais, c'est ça. Donc vous avez fait une connerie, vous avez fait une erreur, assumez votre connerie, point barre. Maintenant arrêtez de m'emmerder avec votre histoire. Ce n'est pas mon frère, un point, c'est tout. Ce que nous savons, c'est que cet infirmier Evans était un ami de votre frère. Et il le surveillait ici. Evans, vous connaissez. Je ne connaissais pas de. Il se faisait appeler par un autre nom, en fait. Montag Edwards. Là, tout de suite, Graham réagit tout de suite. Oui, il t'avait dit qu'il avait des rapports. Il avait lu les rapports de Vincent Tuck, le détective privé. Ouais. Et il connaît le nom, voilà. J'ai même la photo d'ailleurs qu'il nous avait filé. Ah bah quand tu montres la photo. Voilà, je montre Graham, la photo à iSmith et puis à Graham, puis voilà. On a donc. iSmith, quand il voit la photo, il pâlit. Et il contourne son bureau, il retourne s'asseoir lourdement dans son fauteuil. Et voilà, ça lui a mis un coup.
Et donc il là... vous confirme que oui, c'est bel et bien. On est bien d'accord, c'est l'infirmier Evans qui se fait appeler comme ça, et qui était ici pour surveiller Alexander Roby. Et puis, au moment où effectivement il y a eu ce crime odieux, il a disparu. Donc moi, ce que j'en déduis, c'est que Evans, peu importe comment on l'appelle, a kidnappé Alexander Roby, a mis à la place un corps qui lui ressemblait plus ou moins, qui lui a arraché le visage parce que comme ça il n'y avait aucune identification possible de fait. Et maintenant, il s'agit de retrouver Alexander Roby. Et sur ce, Graham conclut en tapant du poing sur le bureau de Dice Smith, qui sursaute sur le coup. Il dit voilà, malgré le côté farfelu de ce que cet homme vient de dire, c'est bien la première fois que j'entends quelque chose de sensé concernant mon frère depuis 2 jours. Voilà, c'est digne d'un roman, d'un mauvais roman de gare. Mais au moins, c'est plus sensé que vous qui me certifiez que le corps que vous avez découvert était mon frère. Voilà. Écoutons-le aussi farfelu que ça puisse paraître. Voilà. Ça me parle beaucoup plus que tous vos mensonges et vous persistez à couvrir une énorme connerie que vous avez faite dans votre établissement. Vous nous avez dit que pour vos patients, il n'y avait aucun patient qui correspondait effectivement à... Enfin, aucun patient pour vous n'avait disparu. On est bien d'accord. Hein. Non. Aucun patient. La seule personne qui a disparu, c'est Evans ou Edward, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ouais, d'accord. Qui ne s'est pas présenté à son service. Et de votre personnel, il n'y a personne d'autre. Non. D'accord. Non, c'est... Ok. Graham se tourne vers toi, Henri. Vous êtes présenté comme étant un détective privé. Écoute, je veux retrouver mon frère. Quel que soit le montant, dites-moi combien il vous faut et je vous en donne le double. Vous me retrouvez mon frère. Je n'ai pas l'impression que la police d'ici soit ni qualifiée ni vraiment motivée pour expliquer ce qui se passe ici. Donc voilà, dites-moi votre prix et je le doublerai, vous me le retrouvez. On discutera du prix plus tard, le plus important c'est de retrouver votre frère. Et ce serait que je regarde Ice Smith, clairement signifier qu'il a rien à voir là-dedans. Plus rien à voir là-dedans. Que nous ayons... petite conversation pour que vous puissiez nous faire de tout ce que vous savez à propos de certaines choses concernant votre frère. Ça nous aidera à le retrouver. Mais peut-être pouvons-nous discuter ça ailleurs. Oui, très bien. Retrouvons-nous dans 1 heure et je vous donne le nom d'un hôtel qui se trouve à pas très loin de l'asile. Retrouvons-nous dans 1 heure là-bas, nous pourrons discuter le plus tranquillement. Ne pas nous y rendre tout de suite. Graham se tourne vers Ice Smith. Vous aviez dit que vous alliez me rendre les affaires de mon frère. Il regarde sa montre et il fait voilà, vous débrouillez, vous avez exactement 15 minutes pour m'amener tout ça ici et ensuite je quitte cet établissement. Et sur ce, Graham Roby sort du bureau sans même que Ice Smith ait réagi. Sort du bureau et vous l'entendez, c'est pas claquer dans le couloir et s'éloigner un peu plus loin. Ouais, moi je suis pas pour le laisser jockey, il nous glisse entre les pattes lui. D'accord.
Je regarde Henri avec un regard qui dit « Je veux pas qu'il nous glisse entre les pattes, lui. » Ouais, j'ai compris. Ok, Henri, tu lui emboîtes le pas Ouais. D'accord. Ça marche. Bon, bah, Smith appelle un infirmier, lui demande de préparer, qu'il prépare un carton avec les affaires d'Alexander Roby. Et ce qui fait que un petit quart d'heure plus tard, si j'ai bien compris, vous allez. Smith vous dit, si j'ai bien compris, vous avez rendez-vous avec Monsieur Graham Roby. J'ai un gros doute qu'il revienne ici récupérer les affaires. Donc, si vous pouviez lui remettre ce carton. Je le prends. Ah non, toi t'es déjà parti. Ah bah oui, ouais, merci. Toi t'es parti, t'as emboîté. En fait, t'as tout simplement retrouvé le Graham Roby à l'extérieur en train de faire les 100 pas. En train de faire les 100 pas près de pas loin de sa voiture. Je vais lui parler. Donc moi je prends le carton des affaires. D'accord. Donc pendant le petit laps de temps où ils ont préparé le carton, Emma et Sanford, vous avez fait quoi vous pendant ce temps-là, vous faites quoi? Moi je pense que si Harry est sorti, je suis sorti aussi. OK. Et Sanford. Oui, je vais l'accompagner pour aller voir Graham. Ça marche. Donc Henri, toi tu t'as emboîté le pas à Graham. Emma et Sanford, vous avez suivi un petit peu en retrait. Pas de problème. Emma et Sanford, vous traversez, vous croisez quelques patients, quelques infirmiers, et vous croisez un type, un patient, le regard est complètement ahuri. Il a l'air d'avoir quand même, son passage ici a l'air d'avoir quand même pas mal marqué, et il s'arrête, il penche la tête sur le côté, vous savez, un peu comme parfois les chiens quand ils regardent. Ils ont tendance à pencher la tête d'un côté. Et là, il fait un peu pareil. Et il s'approche de vous. Mais genre, le visage à quelques centimètres de vous. Puis, alternativement, il te regarde, Emma. Après, il se tourne vers Sanford. Et vous l'avez vu. Hein. Ça se voit. Ça se voit, je le sens. Vous avez vu le signe jaune. Hein. Ah, vous l'avez vu, ça y est. Et puis il a un grand sourire. Et puis il commence à sonner dans le couloir. Vous l'entendez dire je le savais. Eux aussi ils l'ont vu. Et il s'éloigne dans le couloir comme s'il était en train de discuter avec quelqu'un. Tu vois, je savais. Il l'avait dit quoi. Petit à petit tout le monde le verrait. Ils l'ont vu aussi. Et puis il s'éloigne. Moi, je demande déjà à un infirmier comment s'appelle cet homme. Normalement, excusez-moi, mais je. Vous êtes qui? Vous êtes un visiteur? Vous êtes venu voir un patient? Je suis venu accompagner justement Clark. Et c'est au sujet justement de la disparition d'Alexander Roby. Donc, cette personne, en tout cas, qui vient de me croiser à l'instant, m'a parlé, mais assez directement. Savoir qui est cette personne, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, il a tendance à divaguer, il a aussi tendance à s'approcher un petit peu trop près des gens, mais il n'est pas très. Il n'est pas dangereux, en tout cas, si c'est ce que vous demandez. Revanche, je suis désolé, je ne peux pas vous. Vous n'êtes pas médecin, si j'ai bien compris. Vous n'êtes que des visiteurs. Je ne peux pas me permettre de vous donner les noms de nos patients. En tout cas, bon, il a été assez direct avec moi en me disant, vous l'avez vu. Il y en a d'autres qui sont comme ça.
Ah, ne vous inquiétez pas. Ça fait 2 ou 3 ans que qu'il nous bassine tous les jours, plusieurs fois par jour. Il demande quasiment à tout le monde est-ce qu'on l'a vu. Est-ce qu'on l'a vu. Enfin, un symbole jaune ou une lettre jaune ou un chiffre jaune. Mais il nous le demande régulièrement. Et il le demande à tout le monde. Mais on ne sait pas. On ne sait pas de quoi il nous parle. On n'a jamais réussi à lui. Quand on lui demande de nous expliquer ce que c'est, c'est. Si on lui dit qu'on l'a pas vu, il se fâche, il se met en colère. Et si on lui dit qu'on l'a vu, il s'éloigne content. Il est content content que les gens le voient. Très bien, bah, je veux pas vous déranger davantage. Pendant qu'il dit ça, Tantor, j'y ai. Et excusez-moi, monsieur, mais entreteniez-vous des bons rapports avec votre collègue Evans. Ici, c'est Evans qu'ils appellent. Ah, c'est Evans ici. Evans. Je peux pas dire que je peux vraiment dire que j'entretenais des rapports avec Evans. Il faisait son boulot, rien de plus, rien de moins. Non, vous n'aviez pas d'interaction plus que ça. Ça nous arrivait de discuter ou d'échanger une cigarette, mais rien de. Ça n'a jamais été vraiment plus loin. Il était pas beau, c'était un bon infirmier. C'était un bon infirmier. Oui. Après, j'ai cru comprendre que. Je peux comprendre qu'il n'était pas. Ça faisait quelques jours qu'il ne venait plus travailler, si j'ai bien compris. Mais vous savez pourquoi ? Channel edited. Non. Non, aucune. Aucune idée, je ne sais pas. Je sais qu'il comptait prendre des vacances en cette fin d'année. Mais... C'est ce qu'il m'avait dit. Lorsqu'on discutait des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël, c'est venu sur le tapis, apparemment. D'accord. Mais il vous a pas dit par hasard où c'est qu'il comptait aller, ou dans la conversation, il vous a pas donné d'endroit particulier? Il m'a parlé, il m'a dit qu'il devait rejoindre des amis en Écosse. Mais il a pas donné plus de détails là-dessus. Il a juste dit qu'il allait, qu'il devait rejoindre des amis pour une immense fête en Écosse. D'accord, très bien. Bah, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vous laisse continuer votre travail. Merci. De rien. Bah, bonne journée. Et puis, bonne journée. Il s'éloigne. Henri, bon, toi de ton côté, vas-y. Juste pour finir, je propose à Emma qu'on aille en faire part à Anne directement. Mm-hmm, oui. À moins que tu souhaites rejoindre Henri. Non, moi je voulais juste sortir parce que voilà, j'aime pas trop ces endroits-là, mais oui, on peut aller voir Anne vite fait. Voilà, pour lui faire part, on a rencontré cet individu. Ok, donc vous retournez voir Anne. Henri, du côté de toi avec Graham Robbie, donc comme je disais, tu le trouves un peu assez nerveux. Mm-hmm. Il s'allume un gros cigare barreau de chaise à l'extérieur, donc alors qu'il fait assez froid en plus. Bon, écoutez, vous prenez combien à la journée ? Non, mais je vous ai dit, on verra ça plus tard pour les tarifs. Déjà, premièrement, on va essayer de retrouver votre frère. Moi, ce que je voulais savoir, avant tout, c'est... vous êtes quelqu'un de très important. Est-ce que vous auriez quelques ennemis ? Des ennemis, non. Des gens jaloux, oui, forcément. Ouais. On ne fait pas carrière comme je l'ai fait... sans vouloir me vanter. Je ne fais pas carrière comme je l'ai fait, sans s'attirer
l'envie, la jalousie de certaines personnes, oui, forcément. Mmh. Et je, dans mon métier, on n'arrive pas à ma position sans écraser quelques personnes, oui. Mais de là à en faire des ennemis, je trouve le terme un petit peu fort, mais... Alors, voilà moi ce que je pense, et ce que je suspecte, en fait. C'est que votre frère a été kidnappé, et que je pense que dans quelques jours, vous allez recevoir sûrement une demande de rançon. J'ai déjà... Kidnappé donc. Kidnappé par cet infirmier, c'est ça? Alors, par cet Evans, comme on peut l'appeler, ou ce Montag Edwards, qui fait partie de la petite troupe de monsieur Lawrence Bacon. Donc là, je suis en train de suspecter fortement Lawrence Bacon d'avoir fomenté ce kidnapping par l'intermédiaire de cet Evans. Alors, pour quelle raison? J'en ai une petite idée. Soit, effectivement, vous faire chanter, soit demander une rançon, ou autre chose. Donc, on va enquêter sur Monsieur Bacon. On va aller essayer de lui tirer les vers du nez. Je vais me mettre en surveillance, voir si je peux aller faire un petit tour dans sa petite boutique et trouver des traces de votre frère. Très bien. Je n'y connais rien. Non, vous inquiétez pas. Votre métier mieux que moi. Faites ce que faites qui est bon pour l'enquête. Tu vois qu'il sort, il fouille dans sa poche. Mmh. Il sort son portefeuille et il en sort. Au total, il en sort carrément le 50 livres sterling. Ok. C'est un gros paquet de fric. Bah oui, pour l'époque, ouais. Ah, pour l'époque, c'est un gros paquet de fric. Il te le tend. Je vais le prendre. Hein, je vais prendre la somme. Vous prenez ça, vous me tenez au courant de. J'ai votre carte. Avancée. J'ai votre carte. Dès que j'ai quelque chose, je vous appelle. Ceci, c'est je vous engage pour une semaine. Parfait. Selon ce que vous avancez dans votre enquête, vous revenez me voir et on prolongera si en cas de besoin. Parfait. Et si vous me ramenez mon frère sain et sauf, quoi qu'il lui soit arrivé, vous me le ramenez sain et sauf, et je peux vous assurer que vous allez vous serez tranquille pendant quelques mois. Monsieur Roby, je ferai de mon mieux. J'y compte bien. Vous m'avez l'air de savoir ce que vous faites. Je n'aime pas travailler avec des incapables, et j'aime croire que j'ai toujours réussi aussi à m'entourer de gens compétents et en qui je pouvais avoir confiance. Ne me faites pas douter. Pas de souci. Je ne vous décevrai pas. Très bien. Et il continue. Je suis quand même vachement, flatté, dans le sens où... faire confiance à un homme noir à l'époque, si tu veux, c'était pas... Voilà, quoi. Donc, je me sens vraiment flatté. Oui. Après, alors, là, c'est vraiment complètement hors-jeu. J'ai mis, en fait, le fait que t'es un black. Mm-hmm. J'ai mis en avant quelques fois. Je veux pas non plus qu'on s'apesantisse dessus. Au bout d'un moment, ça peut devenir un peu lourd, donc. Ouais, on va pas faire du bashing, hein, non plus. Hein, donc, non, voilà. Ouais, c'est ça. Exactement. Petit retour. Anne, toi, t'étais avec le docteur Highsmith. Oui. Avec le fameux carton et les affaires. Tu voulais avoir une conversation avec lui ou c'était juste récupérer les affaires et rejoindre les autres après? J'aimerais quand même qu'il me raconte dans quelles circonstances le corps d'Alexander a été couvert et quand. En fait, il a été tout simplement découvert par un infirmier qui a pris le
qui a été appelé en urgence puisque Evans ne s'est pas présenté. Ils avaient un manque d'effectifs pour le soir, donc ils ont appelé un infirmier qui habite dans le coin pour qu'il vienne prendre le service. Et c'est en faisant une première ronde qu'il est tombé sur le corps. C'était le soir après après le repas, après le dîner. Alors bon, ça a été un peu chamboulé, hein. Il te dit, c'était un peu chamboulé avec le fait que Evans ne s'est pas présenté. Le soir, c'est effectif restreint. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est dans la soirée qu'ils se sont rendus compte que. Entendu. J'aimerais m'entretenir. J'aimerais m'entretenir avec le voisin de. Un de vos patients, le voisin de la cellule, enfin de la cellule de la chambre d'Alexander Roby. Lucius Harriwell. Monsieur Julius. Lucius Harriwell. Et ce serait à quel sujet exactement ? Au sujet de la mort d'Alexander Roby, bien entendu. Enfin, du prétendu Alexander Roby. Et là, j'essaye de le mettre vraiment mal à l'aise pour qu'il sente qu'il a pas trop le choix, parce qu'il est à deux doigts du scandale quand même. Alors, ça va être un peu compliqué. Bien puisque, donc. Monsieur, nous avons été obligés de sédater Monsieur Harriwell. Quand vous êtes venu la première fois, je vous ai parlé. Il y a eu un premier incident dont a été témoin Monsieur Harriwell, et il semblerait qu'il ait été témoin de ce qui s'est passé peut-être dans la cellule, et ce qui fait que lorsque nous l'avons retrouvé, il était en état de catatonie profonde. Et lorsqu'il a commencé à reprendre plus ou moins ses esprits, en fait, il a totalement perdu l'esprit. Il a commencé à devenir assez violent envers les infirmiers. Il en a même mordu un, d'ailleurs. Il avait été mordu au sang. Donc, il est à l'isolement et sédaté et sous camisole. Si vous aviez vu un infirmier larder de coups de poignard un homme que vous ne connaissiez pas et lui arracher le visage, vous feriez confiance à d'autres infirmiers ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je comprends, mais il est. Je pense qu'il est dangereux. Véritablement important que je puisse voir votre patient. Sinon, ça intéressera certainement la police. La police a déjà l'intention de l'interroger lorsqu'il sera en état de pouvoir parler avec eux. Vous savez bien tous les deux qu'il est son intérêt que je l'interroge moi avant la police. Je saurais mieux m'y prendre que les policiers, voyons. J'ai une formation de plusieurs années et vous connaissez ma réputation, elle est solide. Tout ce que je peux vous proposer, emmenez-moi le voir. On va aller voir, on va s'assurer sur son dossier, voir quand est-ce qu'il a été, quelle dose et quand est-ce qu'il a été, elle lui a été administrée. Et de là, on pourra estimer à peu près un moment où il risque de se réveiller. Mais oui, j'ai besoin de le voir même. Même s'il est endormi. J'aimerais m'assurer qu'il va bien. Là, je le regarde d'un air menaçant. Lorsque vous sortez du bureau, qui en est, c'est là que vous croisez Emma et Sanford qui reviennent. Ouais, je leur confie la boîte avec les affaires d'Alexander Roby. Je l'ai sous le bras et je leur donne ça. Je leur dis, je vous rejoins. Juste avant, on a croisé un type un peu space, quoi. Il est venu vers nous, vraiment le visage contre
contre nous, quoi. Et il nous a dit que qu'il l'avait vu. Et à savoir un signe jaune avec. Il avait vu apparemment l'homme. J'en ai déduit que c'était l'homme qu'on avait croisé hier soir. Durant la nuit, et que lui aussi aurait été témoin de cet homme-là, voire il y a deux ou trois jours. Donc, il faudrait qu'on rentre en contact avec lui. Oui, vous avez demandé son nom Oui, on a demandé. Enfin, vous savez. Malheureusement, je suis pas habilité pour obtenir ce type d'informations. Alors, le docteur Highsmith qui est. Décidément, là... docteur Highsmith, s'il y a des. Et des gens vraiment très intéressants dans votre hôpital. Ah, vous parlez de... Vous parlez de Monsieur Williams. Oui, on va dire que le son seul sujet de conversation est de ça depuis des années. C'est un symbole jaune. Il n'a que ça à la bouche. Il ne parle que de ça. Tout le temps. C'est pas un mauvais bougre, c'est juste, il ne parle que de ça mais vous, par contre, vous m'avez l'air de comprendre de quoi il parle, parce que personnellement, j'ai jamais réussi à lui soutirer la moindre information. Je n'arrive pas à comprendre de ce que c'est que ce symbole. Vous avez l'air d'en savoir peut-être un peu plus. Bien. Et docteur Smith, nous étions en route pour aller voir Oui. Monsieur Sariwell. Oui. Ils sont centrés. Et tout va bien se passer pour vous. Par contre, le docteur Smith se tourne vers Anne, Emma et Sanford. En revanche, là où nous allons, seul le docteur Clark peut m'accompagner. Donc, je vous prierai de rejoindre votre ami. Moi, je comprends. Je pense que voilà, on souhaitait juste apporter cette information pour que Madame Clark puisse entrer éventuellement en contact avec cet individu. Exactement. Bien, on te laisse, Anne, on va retrouver Henri. Oui, j'en ai pour un petit moment, mais je vous rejoindrai. D'accord. Donc le docteur Highsmith va t'emmener à travers l'établissement, dans la partie en sous-sol, où il y a des cellules capitonnées, là où on met les patients à l'isolement. Et lorsqu'il arrive à une porte, il y a une planche avec une feuille, tout ça, et il lit le truc et il t'annonce qu'il a été sédaté il y a cela à peu près 2 heures, et vu la dose qu'il a, il ne risque pas de se réveiller avant plusieurs heures. Et sur la porte, il y a, tu sais, l'espèce de petit truc coulissant par lequel tu peux jeter un œil si tu veux dans la cellule. Bien lui. Et bon, ah, c'est bien Julius. Ah bah quand le Lucius. Lucius. Quand tu regardes, c'est bien Lucius, il est par terre avec une camisole. Il est il est complètement parti. Il respire très doucement. Mais voilà, c'est bien lui. Ouais. Ben je vous prierai de Je m'entretiendrai avec lui demain matin, je reviendrai. Je vous prierai de veiller à ce qu'il soit en état de subir cet entretien. Et si nous allions voir ce cher Mr. Williams maintenant ?
Williams, oui, si vous voulez. Ça a l'air d'être un sacré original. Là, je reprends un ton de consoeur à confrère, tu vois. Oh, ça a l'air d'être un sacré original. C'est un cas de blablabla. Oui, alors, là, quand même, la connivence que vous pouviez avoir un petit peu au début de toute cette histoire, là, il y a vraiment quelque chose qui s'est. Vraiment une barrière qui s'est dressée entre vous deux. Donc, j'en fais pas trop alors. Donc, oui, il t'emmène. Oui, bon, c'est. Il est chez nous depuis quelques temps. Nous changeons régulièrement de cellule parce que. Vous allez voir, vous allez voir. Et c'était, voilà, histoire de le remettre un petit peu en confiance, là, que je reprenais un ton comme ça, un peu, même si. Ouais, ouais. Voilà. Apparemment, ça ne marche pas. Il vous emmène dans une aile de l'asile qui n'est pas du tout là où se trouvaient Alexander, Roby et Lucius Harrywell. Et il vous emmène dans une pièce, dans une chambre où il y a ce fameux type. Et effectivement, tu te rends compte, les murs de sa chambre sont couverts de symboles. Et tu reconnais le signe jaune que tu avais vu et sur le livre du roi en jaune et sur le l'or de la pièce. Il en a dessiné partout, des petits, des grands. Il en a dessiné partout. Et le type est là. Quand vous rentrez, il se dirige vers le docteur Smith et il dit « Ah ben, venez voir il monte tout un pan de mur. Ça, c'est les derniers. C'est les derniers que j'ai dessinés. Ouais, vous voyez, ils sont beaux. Moi, j'aime bien celui-ci. Il montre un tout petit signe jaune sur le mur. J'aime bien celui-ci. Et pas vous? Lequel préférez-vous, Dr. Highsmith? Sur les murs, il doit y en avoir 400, 500 qui ont été dessinés. Ça recouvre tous les murs. Et le docteur Smith, je ne sais pas, il en désigne un grand comme ça au pif. Sauf que Williams ne s'occupe plus de lui. Il a les yeux, en fait, il a les yeux plissés, la tête un peu de trois quarts et il te regarde en coin, Anne. Et avec un grand sourire, il vient à côté de toi et il agite son doigt devant lui et fait ça, c'en est une qui l'a vu. Ça se voit, ça se voit, ça se sent. Hein, vous l'avez vu, hein. Je lui réponds, où l'avez-vous vu pour la première fois, Monsieur Williams? Oh, c'est juste qu'on on m'en a parlé. J'en parlais beaucoup avec un de mes amis ici. Et lui aussi, il aimait bien dessiner les trous. Il aimait bien en dessiner. Il trouvait que c'était apaisant. Et c'est vrai que c'est apaisant. Regardez, hein, Dr. Highsmith, je suis calme. J'en dessine tous les jours. Je suis très calme. Je n'ai jamais besoin de camisole, je n'ai jamais besoin d'aller à l'isolement. Hein. Bon, le docteur Smith a votre prouve, hein, effectivement. Et votre ami? Vous en a parlé? Ah, mon ami? Oui, c'était c'est Alexander. Mais on m'a dit que le docteur Smith nous a dit qu'Alexander était parti, il avait changé d'établissement. C'est dommage, moi j'aimais bien. On discutait beaucoup du signe jaune. J'aimais bien. Il me racontait toujours plein des histoires, Alexander. Je pense que je vais m'ennuyer sans lui. Mais bon, c'est pas grave. Racontez, hein, sur ce signe jaune. Oh, il me disait que c'était
il disait que pour que bientôt j'allais comprendre, que tout le monde allait comprendre, et que c'était très important, et que c'était le signe du roi, et que le roi allait venir. J'ai eu beau lui dire que bon, chez nous c'était plutôt des reines, mais il a dit que non, le roi, quand il allait venir, même la reine, n'importe quelle reine allait se prosterner devant lui, parce qu'il le méritait bien. Et voilà, il est parti. Hein, c'est ça, et Dr. Highsmith, hein, il a bien changé d'établissement. Il pourra quand même revenir nous rendre visite, peut-être venir en vacances ici. Et Dr. Highsmith acquiesce en disant oui, probablement, on verra, on s'arrangera pour qu'il revienne peut-être en vacances ici, mais. Et Williams, il a l'air d'être très content. Ah, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et puis, il retourne, il ramasse une craie grasse, jaune. Parce que tu vois, en fait, il a des crayons, des craies grasses. Il n'y a que des trucs de couleur jaune. Et il en prend une. Et il te regarde, Anne. Il fait celui-ci, c'est rien que pour vous. Et il va au mur et il commence à dessiner un symbole. Un signe jaune sur le mur. Il est assez grand, vous trouvez, ou vous voulez plus grand? Parce qu'après tout, c'est le vôtre, hein. C'est assez grand, ça va? Oui, c'est très bien, monsieur Williams, continuez comme ça. Et je fais demi-tour et je sors de sa chambre. J'attends pas la fin. D'accord. Oh putain, le mec continue à dessiner sur le mur. Le docteur Highsmith sort. Je ne sais pas à quoi vous vous attendiez. Je ne sais pas ce que vous cherchiez en voulant lui parler. Comme vous l'avez vu, sa seule obsession, c'est ça. Oui, apparemment. Depuis qu'il a rencontré Alexander. Et comment était-il avant cela? Il est arrivé quelques mois après Alexander Roby, si je me souviens bien. C'était un. Avant, il avait une petite carrière de. Il avait une petite carrière de professeur, je crois que c'est un professeur des beaux-arts ou quelque chose comme ça. Et, lorsqu'il a été interné chez nous au début parce qu'il faisait, il avait beaucoup de mal à dormir, il cherchait beaucoup d'inspiration et dans l'absinthe, et il lui arrivait aussi de fréquenter d'aller chasser le dragon, comme ils disent, comme on dit en Chine, si je me trompe pas, un consommateur d'opiacés divers. Mais voilà, hormis ça, et puis il s'est mis à, lorsqu'il est arrivé, il dessinait encore, et puis il a fini par ne vouloir dessiner que en jaune. Voilà, il n'est pas méchant. C'est tout ce que je peux. Je peux pas vraiment. Oui, non, on n'a pas l'air méchant. Je vous remercie, Dr. Highsmith, pour votre coopération. Je serai de retour demain matin pour interroger Monsieur Harriwell, hein, en espérant qu'il soit en état de me parler. Vous y verrez, bien sûr. Oui. Bon, tu vois que ça le gêne un peu, hein, mais. Oui, j'espère qu'il voit que je lui laisse pas vraiment le choix non plus. Hein, que c'est sérieux tout ça. Et je fais bon, je.
Je vais voir ce qu'il est possible de faire avec Graham Roby. À demain. Et très bien. Je dis ça, l'air de dire que bon, en fait, je lui retire une épine du pied, quoi, hein, aussi, oui, en m'occupant de Graham Roby. Ça marche. Bon, bah, je pense. Voilà, et puis je rejoins les autres dehors. Voilà, je pense que tu rejoins les autres dehors. Donc, Henri, toi, tu as vu, en fait, il est. Sanford et Emma sont arrivés avec un carton, avec quelques vêtements, apparemment toute la collection de livres d'Alexander. Ouais. Ouais. Y a rien d'autre? Non. Par contre, si tu regardes dans le carton, je suppose. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde dans le carton et surtout, je regarde les bouquins et tu sais, je les évente, tu sais, comme si pour savoir s'il y aurait pas quelque chose de caché dedans, un message, une note, n'importe quoi, tu vois, un papier. Et ben en fait, quand tu regardes dans les bouquins, tu te rends compte qu'il y a un livre que tu as déjà vu, un exemplaire du Passant près du lac. Sauf que quand tu... Donc le livre qu'a écrit Alexander. Sauf que tu te rends très vite compte qu'il y a des annotations dans le livre. Alors je vais prendre le livre et je vais faire... tiens, Emma, je crois que ça pourrait peut-être t'intéresser. Vu que c'est la grande spécialiste du Passant sur le lac. Tiens. Je prends le bouquin et... Ouais, prends-toi un peu les annotations qu'il a marquées dessus. Alors les annotations, ça va te prendre 2 ou 3 heures pour lire parce que autant sur certaines pages c'est juste des annotations et à d'autres moments en fait il a réécrit par-dessus le texte. D'accord, ouais, donc super. je ferai ça tranquillement au calme, non, pas maintenant là. Voilà. Voilà, exactement. Et par contre ce que tu as pu remarquer c'est que il semble qu'il n'y ait pas que son écriture. Il y a une écriture qui me dit quelque chose? Bah non, votre écriture, non, sans... Non, c'est pas la même que sur mes notes, là. Non. Non. Non, non. Mais en tout cas, il y a l'air d'y avoir 2 écritures différentes. Donc, Donc voilà, tu as encore un... De nouveau, un nouveau truc à bouquiner. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce soir. Donc, vous vouliez aller à ce fameux rendez-vous donc avec Graham Roby. Vous vouliez discuter avec lui pour quoi exactement? Moi, pas vraiment, parce que j'ai tout dit. Non. Donc, toi, tu as tout. Ben, moi, j'ai discuté plus, avec lui déjà, donc. Ouais. Ok. Donc en fait non. En fait non. Sanford et Anne. Sauf si Anne veut lui poser des questions. D'accord. Oui, si moi j'aurais bien aimé qu'on l'interroge sur les activités de son frère avant que avant le drame et en l'interrogeant sur les en lui montrant la photo où il y avait tout le monde là et puis en l'interrogeant sur les gens avec leur nom voir ce dont lui se souvient exactement ainsi que enfin de tous les gens avec qui Alexander s'est retrouvé avant de soi-disant tuer partie de sa famille. Voilà, c'est là-dessus que j'aimerais partir, moi, avec Graham Roby. Parce que je pense qu'il porte des informations intéressantes. Bah écoute, il va... Pour le coup, quand tu commences à lui poser... il t'explique pas mal... Enfin, il t'explique. En fait, ce qu'il va te raconter, c'est ni plus ni moins que tout ce qu'il a pu raconter à Henri concernant les fréquentations, le fait que Alexander a complètement plaqué ses études de droit pour s'intéresser à tout ce qui était de la philosophie, puis du folklore et ça a dérivé vers l'occultisme et ce genre et l'ésotérisme, le fait que il a engagé le détective et que le détective lui a confirmé qu'il y avait un groupe de personnes qui gravitaient autour d'Alexander et lui suspectait que c'était juste une bande de pique-assiettes
qui côtoyait juste pour soutirer du pognon et profiter de son argent. Et il te refile en gros les informations. En fait, voilà, tu te rends compte que quand il en a parlé à Henri, il lui a vraiment balancé, il lui a vraiment dit tout ce qu'il savait là-dessus. Ouais, puis d'accord. Il sait surtout en fait tout par rapport à Vincent Tuck qui lui a fait des rapports. Donc oui. Donc nous on a les infos, on a tout ce que a fait Vincent Tuck, on a les photos. Ouais. Donc s'il y avait eu on va dire lui il les a vu les photos Graham Roby forcément quoi puisque oui. On les tient de Vincent Tuck qui l'a engagé. Donc s'il y avait eu tu sais une corrélation n'importe quoi de quelqu'un qui connaît qui l'aurait connu, il nous l'aurait dit de toute façon quoi. Ça, c'est ah oui, il aurait pu l'identifier. Voilà, il aurait pu l'identifier de toute façon sur les photos. Ok, donc comme il a l'air sincère, je lui demande s'il est au courant pour la mort de Lionel Trollope. Oui, ça malheureusement il a. Quand je vois qu'il est au courant, je sors la lettre que j'ai dans ma veste et je la lui tends. Il la lit. D'accord. La lettre que le docteur Trollope m'avait écrite. Ok, bah écoute, il prend le temps de la lire et enfin il la retend en disant le. C'est qu'est-ce que. Enfin, c'est. Oui, c'est étonnant. Qu'est-ce que je suis censé. Vous n'avez pas l'idée de ce dont il voulait me parler. Il avait l'air d'en savoir ce que vous-même sur votre frère, on dirait, si vous ne savez pas de quoi il voulait parler. Malheureusement, non. Je vois pas. Vous savez bien qu'il y a. Vous savez. Voilà. Vous le savez pertinemment. Il y a le secret professionnel. Il n'aurait certainement jamais divulgué. Il n'aurait certainement jamais divulgué à moi. Quelque chose concernant mon frère. Mon frère était tout de même. Est tout de même adulte. Donc il y a un moment donné où ce qui est dit dans le cabinet. Rester entre vous mon frère et le docteur. Donc, je ne sais pas ce qu'il vous pensez que il faisait allusion à des confidences d'Alexander. Je ne sais pas. Vous, comme je l'ai déjà expliqué à votre ami détective privé, oui, on va dire que mes relations avec mon frère n'étaient pas au beau fixe. Ça a toujours été assez compliqué. Et oui, c'est vrai, je ne lui rendais pas visite ici à l'asile et même avant. J'avoue que j'avais tendance à le juger un petit peu rapidement, un peu trop rapidement d'ailleurs. Donc je ne le côtoyais pas beaucoup les dernières années. Ni même au moment de la tragédie. C'est ça. Du coup, vous n'avez pas d'avis quant à sa participation éventuelle à cette tragédie. Je ne sais pas. Je peux juste vous dire que même si il y avait des tensions entre mon frère et mon père. Entre mon frère adoré, sa petite sœur. Il adorait, je pense même que au sein de toute la famille, c'était la personne qui l'aimait le plus. Donc je ne le vois pas faire du mal à ma sœur. Et même vis-à-vis de mon père, même s'il est arrivé à quelques reprises qu'il s'engueule assez bruyamment, voilà, il n'en est jamais arrivé à de la violence physique. Je vous remercie, monsieur Graham. Bien, monsieur Goldsmith, je compte sur vous. Pas de problème, monsieur. Très bien.
Bien, le... il se tourne vers son chauffeur et bon, le rentrons à... rentrons à Londres. J'ai suffisamment perdu de temps ici. Monsieur Graham. Oui. J'imagine que Henri vous a donné sa carte. Oui, oui, bien sûr. Je vous prierai de nous prévenir au plus vite si jamais Alexander se manifeste près de vous. Il en ira peut-être de votre sécurité. Oui, naturellement. Naturellement. Tout comme vous, je compte sur vous pour que dès que vous avez une avancée significative, que vous m'en fassiez part. Bien entendu. Sur ce, il monte en voiture. La voiture démarre et quitte les lieux, vous laissant là sur le parvis de l'asile Sainte-Agnès, à la fenêtre duquel on peut voir le docteur Highsmith qui jetait un œil, qui regarde la voiture s'éloigner. Et je propose qu'on s'arrête là pour ce soir.